un déchet. Ah, c'est vrai, j'ai manqué. Ouais, non, c'est ça. Pour savoir. Quoi que vous voulez que je parle. Okay, c'est ça. Il n'y a pas de son. Le temps est ouvert. Il est 19h01. Je vous laisse la parole, M. le maire, pour le mot des élus. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil d'arrondissement du 5 septembre 2023. Je veux souligner que c'est la première séance officielle de notre nouveau secrétaire d'arrondissement. Et il y a le baptême du feu, disons, parce qu'on a un changement de salle à la dernière minute compte tenu de la climatisation qui est brisée à la Maison de la culture. Et il faisait 37 degrés, donc il fait chaud ici, mais imaginez-vous là-bas. Donc, on a réussi à changer. Donc, on est dans un plus petit lieu. Vous êtes moins confortable, mais je ne sais pas si au fond, vous n'êtes pas plus confortable ici, même si vous êtes debout. Donc, bienvenue à cette séance. Comme on fait à chaque séance du conseil d'arrondissement, on débute par un tour de table des élus pour attirer votre attention sur certains points d'actualité ou qui auront lieu pendant la soirée. Donc, première chose, je veux aujourd'hui… Bon, c'est un peu la… Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, il y a des gens qui sont ici dans la salle. Qui sont arrivés après 18h45. Ouais, c'est un peu évident parce qu'il y a le déplacement. Donc, comme on le fait à chaque fois, on va tenter d'accommoder le maximum de questions possibles des gens qui ont pris la peine de se déplacer, d'être ici sur place. Donc, évidemment, on ne finira pas à 23h, mais on va s'assurer d'y aller rondement. Comme vous savez, peut-être si vous êtes plus habitué ou moins, habituellement, on prend 3 ou 4 questions par sujet et ensuite on passe à un autre sujet pour nous permettre de traiter le plus de sujets possible. Donc, ça répond à votre question? Ben, je vous dis que les personnes présentes vont pouvoir poser une question. OK, ben on va, vous allez nous laisser diriger la séance, puis vous allez voir comment ça se passe. Ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà enregistrés vont passer en premier, puis les autres pourront ensuite passer par la suite. Donc, 2 sujets d'actualité sur lesquels je veux attirer votre attention. Bon, il fait chaud, on a ajouté, l'été est enfin arrivé. On a ajouté une prolongation d'heure d'ouverture de la piscine Laurier, notre seule piscine publique sur le plateau extérieur. Donc, on est ouvert aujourd'hui, on est ouvert demain et on est ouvert mercredi. Oui, c'est ça, c'était hier. Lundi, mardi, mercredi. Pardon, est-ce qu'on peut parler plus fort? Vous entendez mal? OK. Bien, soit je parle plus fort, soit notre technicien monte le son. On va s'assurer que vous entendez bien. Sinon, faites-nous signe, OK?
Donc, on a prolongé les heures d'ouverture compte tenu de la canicule de la piscine Laurier. Et je vous dis qu'on avait de longues files d'attente, donc ça a été très apprécié. Et je veux débuter par la soirée en attirant votre attention sur une motion spéciale que nous allons adopter un peu plus tard au conseil d'arrondissement pour souligner le travail de nos sauveteurs. Ils devaient être ici pour qu'on puisse leur rendre hommage ce soir, mais finalement, ils sont au travail pour qu'on puisse avoir la piscine Laurier ouverte pour les citoyens et les citoyennes. Donc, on va s'assurer quand même d'aller les voir là, par la suite. Peut-être que vous avez vu dans l'actualité cet été que nos sauveteurs ont sauvé la vie d'un adolescent, un aide-animateur d'un camp de jour qui s'est retrouvé inconscient au fond de la piscine Laurier. Et notre équipe a vraiment plongé à l'eau, a sauvé, l'a sorti de l'eau. Et on a eu la chance d'avoir aussi des sauveteurs qui étaient présents, mais qui n'étaient pas au travail, puis qui ont aidé à vraiment faire toutes les techniques d'animation nécessaires, contacter les services d'urgence, gérer les gens qui étaient autour, donc s'assurer que tout se passe dans le calme. Et ils ont vraiment sauvé la vie de ce jeune garçon-là. Donc, on voulait aujourd'hui vraiment adopter une motion pour souligner leur travail et l'importance de leur travail et les remercier. Et on les double remercie parce qu'ils ont accepté d'être au travail aussi quelques jours de plus. Donc, ils sont de retour à l'école, mais ils ont accepté de venir nous aider. Donc, voilà, on va adopter ça un peu plus tard aujourd'hui là, pour une reconnaissance formelle là, de leur travail. Je suis sûr que même malgré toute la formation qu'ils ont de préparation avec des mannequins, c'est pas pareil comme quand ça arrive pour vrai avec un vrai être humain, là. Donc, je veux vraiment les féliciter pour leur sang-froid, leur acte de courage pour avoir sauvé la vie d'un jeune garçon, comme je le disais. Et je suis sûr que cette expérience-là va les avoir marqués. Voilà, je pense qu'on peut tous leur exprimer notre gratitude. Le premier point. Le deuxième point. Bravo. Le deuxième point, la semaine dernière, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes que je reconnais. Cette dernière séance, il y a eu plusieurs questions sur la piscine Baldwin. Donc, on nous a dit, on n'est pas au courant, vous ne nous informez pas, on veut avoir une séance publique d'information. J'ai dit oui, on va faire une séance publique d'information. Donc, je vous confirme, normalement, vous auriez dû recevoir l'information, en tout cas ceux qui étaient dans la liste courriel. Il y aura une séance d'information le 25 septembre prochain, à 19h, spécifiquement sur le sujet. Ça va se tenir ici ou à la Maison de la culture? Qui sait? À la Maison de la culture. Donc, oui, c'est ça. Ici, c'est un peu exceptionnel. Ça va se tenir à la Maison de la culture. Donc, on va être capable de bien vous recevoir et de présenter l'état de la situation, où on en est, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Et vous allez pouvoir poser toutes vos questions et vous allez pouvoir aussi émettre des commentaires, des suggestions. Et par la suite, on va vous laisser 2 semaines, si vous voulez vous réunir ensemble, en discuter et nous transmettre des commentaires par écrit. Ça va être aussi possible. Donc, je m'étais engagé à faire ça la dernière séance. Je vous confirme que ça va avoir lieu. Et maintenant, on a une date. Ce sont mes deux points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Donc, je passerai maintenant la parole à Maëva Villain. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais être brève. Donc, je voulais vous dire qu'en sport et loisirs, nous avons désormais une nouvelle offre d'activités gratuites. On a travaillé fort dans les dernières années pour améliorer l'accessibilité au niveau des tarifs en sport et loisirs. Donc, on a notamment rendu gratuit l'accès à la piscine Laurier qui était auparavant payant la fin de semaine. Et pareil pour l'aréna Mont-Royal. Donc, c'est maintenant gratuit pour accéder la fin de semaine. Et il existe un programme qui s'appelle Accès loisirs qui permet, dans le fond, de mettre à la disposition de personnes qui vivent sous le seuil de faible revenu des places gratuites. Donc, c'est le centre du plateau qui a pris le leadership pour cela, qui est financé par le programme prévention de la ville de Montréal et qui, depuis cette session, met une centaine de places gratuitement à la disposition des personnes à faible revenu et, en fait, petit à petit, va développer différents partenariats avec nos autres centres de loisirs qui sont présents dans tous les districts, donc l'association récréative Milton Park et la relance au métro Laurier. Donc, je vous invite à diffuser l'information et pour vous en prévenir,
prévaloir, il suffit d'aller évidemment sur le site du Centre du Plateau. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon à l'arrière? Non, là, est-ce que c'est mieux? Je parlais plus fort, super. Je serai brève aussi. Donc, je voulais vous parler brièvement de l'accessibilité de nos rues piétonnes, parce que c'est un enjeu, bien évidemment, vous comprendrez, ben, notamment notre enjeu au niveau de l'autobus. On a Vélo Duo qui a été mis en place il y a quelques années, qui est apprécié. Vous avez peut-être remarqué sur l'avenue du Mont-Royal des rampes d'accès. Cette année, c'était une nouveauté. Donc, c'est important vraiment pour nous de continuer nos efforts pour que nos rues piétonnes puissent être vraiment utilisées par tous les piétons. Et c'est un défi, on va poursuivre. Je voulais vous dire qu'on a fait des marches exploratoires avec Société Logique sur l'avenue du Mont-Royal, sur l'avenue du Lutte. Et ces marches exploratoires-là, dans le fond, nous disent clairement quels sont les obstacles, quels sont les défis, qu'est-ce que nous, on peut faire par la suite. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait avec l'arrondissement, avec les équipes locales, les sociétés de développement commercial. Et c'est qui notre autre partenaire? En tout cas, il y en a tellement. C'est vraiment tout un écosystème. Donc, je voulais le mentionner rapidement parce que je sais, on les adore, nos rues piétonnes, mais il y a encore des gros défis. On y travaille et je voulais également souligner les promenades de Judy. Vous avez peut-être vu des photos circuler ou encore des personnes handicapées se rassembler en groupe. Donc, il y a eu une promenade qui était la dernière de la saison de ce groupe de militants. Donc, je voulais souligner leur travail. J'ai pu me joindre à la promenade qui a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine. Donc, c'était vraiment un beau rassemblement de visibilité pour que les personnes plus marginalisées occupent notre espace public. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur Facebook et ces promenades seront de retour l'été prochain. Bonne soirée. Merci. Merci, Laurence. Alors, deux petites choses en ce qui me concerne. D'abord, on veut rappeler à tout le monde que l'arrondissement offre des subventions pour les couches lavables pour les bébés et aussi pour les produits d'hygiène lavables pour les adultes. Et qu'on a lancé le programme de cette année, début juillet. Il reste encore des subventions disponibles, y compris pour les personnes à faible revenu. Donc, une partie de ces subventions-là sont réservées à des prix vraiment bas pour des personnes, des familles à faible revenu. Prévalez-vous-en si vous en avez besoin. Sur le site de la Ville, vous allez trouver, là, si vous tapez « produits d'hygiène lavable » ou « couches lavables » avec le nom de l'arrondissement, vous allez les trouver assez facilement. Sinon, vous pouvez communiquer directement avec les ateliers d'éducation populaire, qui est l'organisme qui gère avec nous ces subventions-là. Vous trouvez les liens aussi. Si vous êtes abonné à l'infolettre, vous allez trouver facilement les liens là-dedans. Et on ne saurait trop vous recommander de vous abonner à l'infolettre. Plein d'infos là-dedans chaque mois, chaque semaine. Deuxième chose, on a eu une très bonne nouvelle de la part de notre division des études techniques. On a fait la demande pour avoir des radars photos pour plusieurs de nos écoles. Si vous avez suivi l'actualité, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Guilbeault, en a parlé beaucoup dernièrement. Donc, il y a des gros efforts qui sont faits de part et d'autre. Là, maintenant, à Québec, on en a bien pris conscience dans la sécurité autour des écoles parce qu'il y a beaucoup de voitures, il y en a énormément. Elles roulent trop vite, elles ne respectent pas la signalisation. Ce n'est pas les voitures, c'est les gens qui conduisent les voitures qui ne respectent pas le code de la route. Et donc, pour les aider, on a eu l'autorisation de Québec qui est l'instance, c'est le ministère qui donne l'autorisation d'installer des photoradars, ce qui est différent des radars qui disent la vitesse. Là, ça, c'est un incitatif, c'est informatif, mais ce n'est pas le photoradar qui va envoyer une contravention aux personnes qui vont rouler au-delà de la vitesse permise. Donc, on a déjà annoncé qu'on installait un photoradar, enfin, l'appareil, près de l'école Élan sur la rue de Lorimier. On a eu l'autorisation pour 4 autres, donc à l'école Paul Bruchesi sur le boulevard Saint-Joseph, l'école Saint-Pierre-Clavert également sur le boulevard Saint-Joseph, l'école Lambert-Clos qui est sur Saint-Urbain et l'école Bancroft qui est aussi sur Saint-Urbain. Donc, on sait qu'ils s'en viennent, on a eu la confirmation, on ne sait juste pas quand. On n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir là-dessus, mais on est quand même vraiment content de pouvoir ajouter ça à nos mesures d'apaisement de la circulation. Voilà, merci. Merci. C'est une bonne nouvelle. En effet, je tiens juste au passage à rappeler que selon l'Association
des directeurs de police du Québec, 70 % des automobilistes ne respectent pas la vitesse de 30 km/h dans les zones scolaires. Ce n'est pas 5 % ou 10 % là, c'est 70 %. Donc, c'est vraiment majeur. Donc, on a à redoubler d'efforts pour s'assurer que les gens ralentissent pour protéger la vie de nos enfants. Merci. Ça marche-tu? Allô? Bon. Merci, Monsieur le maire. Alors, je serai brève pour prendre le moins d'oxygène possible dans la salle. J'aimerais souligner au point ce soir, à l'heure du jour, au point 20.03, une contribution financière à la Société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal de 20 000 $ dans le cadre de notre programme Artère commerciale durable. Alors, le but, c'est de favoriser des projets, des initiatives qui s'inscrivent dans les priorités des élus, donc la lutte au changement climatique et l'adaptation également au changement climatique, réduction des îlots de chaleur, on en aurait besoin ici ce soir, et de l'empreinte carbone. Alors, on pense entre autres à la lutte au suremballage, à la production de déchets, tout ça. Et l'avenue du Mont-Royal a été très proactive au cours des dernières années, notamment dans des projets de compostage et des projets de recyclage avec Recyc Québec. Et ils ont, entre autres, récupéré 140 tonnes de matière organique auprès de 23 commerçants, ce qui est quand même pas rien. Alors, on est très fiers de les accompagner dans leur prochaine lutte au changement et à l'adaptation au changement climatique. J'aimerais aussi vous parler d'un événement vraiment culturel et urbain qui va se dérouler le 14 septembre prochain. Ça va être l'inauguration d'une murale sur une école qui s'appelle... c'est une école secondaire et qui s'appelle le Belts Community High School. C'est situé au coin de Laurier et de Jeanne-Mance. Et c'est une école qui fait un petit peu dos à l'avenue Laurier. Et là, ce beau mur aveugle-là va être paré de une belle murale d'un artiste qui s'appelle Seth. Seth est un artiste, un muraliste avec une réputation à l'international. Et ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Il est capable de construire des ponts entre différentes communautés à travers le regard très tendre qu'il pose sur les enfants. C'est toujours des dessins d'enfants qu'on voit à peu près de dos ou de trois quarts. C'est vraiment un très, très beau travail. On est chanceux que MU ait pu mettre la main sur ce grand artiste. Et on a eu une belle collaboration. Les Belts, c'est une des communautés acidiques du plateau Mont-Royal, qui ont accepté de collaborer avec nous, avec l'arrondissement du plateau Mont-Royal, avec MU et avec la Société de développement commercial de l'avenue Laurier Ouest plutôt, devrais-je dire. Et le plateau Mont-Royal va également verdir le sol auprès de cette murale-là. Alors, ce sera du plus bel effet. Je vous invite à aller faire un tour à partir du 14 septembre. Je vais être brève aussi. Je vais rester dans la culture. On m'entend? Oui? La climatisation va revenir à notre maison de la culture et vous allez pouvoir profiter de la programmation culturelle automnale qui a été lancée la semaine dernière. Allez jeter un coup d'œil, c'est sur la page Facebook de l'arrondissement. Il y a vraiment de tout. Évidemment, comme ce qu'on fait toujours, ce sont des événements gratuits. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du cinéma, des films québécois que vous n'avez peut-être pas vus en salle. Donc, tout ça, allez voir sur la page de l'arrondissement. Aussi, je veux souligner que en octobre, dans le cadre de la semaine de l'accessibilité universelle, il va y avoir des activités spéciales qui vont être prévues dans ce cadre-là. Autre nouvelle culturelle, notre caserne 26, donc sur Mont-Royal, au coin de Désérable, oui. Donc, les travaux avancent rondement. La caserne, c'est c'est le troisième étage. Les deux étages sont consacrés encore. Ça va encore être une caserne. Le troisième étage va être consacré, qui appartient à l'arrondissement. C'est 200 mètres carrés à peu près qui sont à l'arrondissement. Et on a lancé, à la troisième semaine du mois d'août, on a lancé un appel à projet invitant des organismes culturels qui sont soit dans le littéraire, soit à vocation littéraire, soit vocation art médiatique, donc à occuper cet endroit-là et à proposer en même temps, donc pour l'occupation, donc les locaux leur appartiennent, mais en contrepartie, il y a des activités d'animation. Donc c'est pour les OBNL.
Il va y avoir un après-midi, enfin un après-midi 5h, 17h30 à 19h, le 12 septembre, c'est prévu donc où les organismes, où les OBNL peuvent poser leurs questions pour connaître en fait l'entente contractuelle, ce qu'on attend d'eux. Aussi en ligne, le 14 septembre, une autre séance d'information. Donc, je parle de cette nouvelle-là plus pour les OBNL que vous connaîtriez, mais évidemment, toute la population profite des activités d'animation qui sont faites dans ce cadre-là. Donc, voilà. Pas de point spécifique pour M. Norris, donc on peut procéder. Parfait. À l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 septembre 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 septembre 2023. Adopté. L'article 10.03, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement tenues respectivement le 4 et 19 juillet 2023. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. À l'article 10.04, période des questions et requêtes du public. Donc, la période de questions sera d'une heure et se terminera à 20h20, sauf si le Conseil décide de la prolonger. Donc, je répète les règles d'usage. Nous allons commencer par les personnes qui se sont inscrites à la période de questions sur place pour ensuite terminer avec les questions reçues via le formulaire en ligne. Vous disposez de 3 minutes pour poser votre question. Vous avez également le droit de réplique. Donc, je vous rappelle aussi que si vous ne désirez pas être filmé, veuillez nous l'indiquer avant de commencer votre question. Donc, je vais appeler sans tarder Madame Marie-Hélène Gendreau. Pardon? Ça se peut qu'il y ait eu une erreur. Donc, oui, Marie-Hélène Champoux. Je veux juste vérifier parce que dans nos règles d'usage, il y a aussi toujours, on accorde la priorité quand il y a des parents qui viennent accompagner de jeunes enfants. Je n'en vois pas, mais peut-être qu'à l'arrière, il y en a. Mais s'il y a des parents accompagnés de jeunes enfants, on vous donne la priorité, évidemment, pour que vous puissiez retourner à la maison avec eux après. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Non? Allô? Ah oui. OK. Donc, mon nom est Marie-Hélène Champoux. Je viens m'exprimer au sujet du réaménagement du parc Baldwin dans son ensemble. Donc, afin de connaître les besoins des citoyens, j'ai organisé 2 rencontres dans le parc Baldwin les 6 et 13 août, où j'ai rencontré plusieurs citoyens, une grande diversité des familles, jeunes, moins jeunes, aînés, une personne en situation de handicap également, pour obtenir leurs commentaires. Donc, voici le résumé des besoins, des 8 besoins qui ont été répertoriés. 1, le besoin d'améliorer la communication entre les élus et les citoyens. Recevoir de l'information détaillée au sujet des décisions, développement, étapes. Inclure les citoyens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, plusieurs n'étaient pas du tout informés. Consultation publique avant la réalisation, tout en avançant rapidement. Besoin numéro 2. Décontamination du sol. Avons-nous un plan de décontamination, si ce n'est pas pour maintenant éventuel? État de la situation, programme de subvention possible. Besoin numéro 3, préserver la nature et l'ambiance calme du parc. L'importance des arbres matures, verdissement, jardinage, petite capacité d'accueil du parc, sécurité, vélo, piéton. 4, je pense que c'est un sujet qui a beaucoup touché les citoyens au sujet de la piscine. Donc, il y a plusieurs éléments. J'ai essayé de condenser. Au sujet de l'emplacement, on a parlé aussi de l'emplacement possible au parc La Fontaine. Selon une étude démographique qu'on a faite un peu maison, il semblait y avoir une plus grande densité de population autour du parc La Fontaine, donc une plus grande capacité d'accueil également. Et ça permettrait de réduire l'asphalte. On enlèverait de l'asphalte plutôt que de du béton, plutôt que de rajouter du béton. Pour la partie nord du parc Baldwin, un risque que le sol soit peut-être contaminé là également ou friable, si j'ai bien compris, c'est que le sol est friable. Les piscines en conteneur superposées. Donc, on a une piscine en conteneur, ce qui est un peu petit, mais on a trouvé des options où on peut les superposer et là créer davantage d'espaces de baignade. Ça permettrait aussi d'avoir un espace pour les événements muraux, location d'espaces pop-up, pour les artistes, événements éphémères.
excusez-moi, je suis un peu stressée. Donc, inspiré de des Container City au Mexique. Un autre point, c'est l'accessibilité. Donc, l'entrée progressive à l'eau pour les personnes à mobilité réduite en situation de handicap. Au lieu d'avoir la chaise qui descend, ce serait une entrée progressive qui est plus agréable pour tout le monde. Et accès aux animaux aussi. Aménagement de pelouses autour de la piscine qui serait important pour plusieurs citoyens. Des chaises longues, on pense aux mamans, aux personnes qui peuvent être plus confortables sur une chaise que sur du béton avec une serviette. Espace de travail également, glissade, jet d'eau, activité hivernale. Retrouver la piscine rapidement. Oh my God, j'ai plus de temps. J'ai tellement de choses. Bon, mais j'ai pas eu le temps de tout dire, mais c'est dans mon document, j'y ai tout résumé. Et dans l'ensemble, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens qui avaient quelque chose à dire, qui ont des points de vue et je trouve que c'est important de les entendre. Donc, ma question, quelle est votre réponse à l'ensemble des citoyens qui ont exprimé leurs besoins, idées, solutions et points de vue lors des rencontres citoyennes que j'ai organisées les 6 et 13 août dernier et requièrent une consultation publique, pas seulement une présentation, mais vraiment une réelle consultation publique pour entendre et discuter entre nous avant l'appel d'offres. Voilà. Okay. Donc, tout d'abord, merci de vous être déplacé, d'avoir organisé ces rencontres. C'est une belle initiative. La réponse, je l'ai donnée en entrée de jeu, je l'ai dit la dernière fois. On va organiser une séance d'information spécifique sur le projet de la piscine Baldwin le 25 septembre. Et vous allez avoir 2 semaines pour être capable d'émettre des commentaires. Quand on fait, par exemple, un projet particulier ou une modification de zonage ou on fait une consultation, c'est toujours ça qu'on fait. Séance publique d'information, les gens ont toutes la même information. On leur laisse, ils peuvent intervenir directement sur place. Mais parfois, il y a des choses qu'on veut y repenser par la suite. C'est pour ça qu'on donne 2 semaines de plus pour être capable d'émettre des commentaires. Ça, c'est vraiment pour la piscine. Ensuite, le réaménagement des différents espaces du parc Baldwin, ça va venir dans un deuxième temps et on aura par la suite une démarche là, qui pourrait être similaire là, pour le reste du parc. OK. Puis en complémentaire? Oui, vous avez tout à fait. C'est bon, vous avez compris le principe. Oui. OK. Bien, c'est au sujet justement des consultations publiques, de l'urbanisme citoyen. J'aimerais savoir parmi les élus s'il y en a, parce que je crois en vos compétences et tout, mais vous êtes un groupe d'élus plus restreint. Puis moi, je crois beaucoup à la participation citoyenne, à l'intelligence collective qu'on peut amener avec un groupe. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont suivi une formation en urbanisme participatif, consultation citoyenne, design thinking, brainstorming avec les citoyens, ou peut-être de faire affaire avec une firme qui pourrait encadrer ce processus-là? Nos équipes ont développé quand même une expertise dans l'urbanisme tactique, l'urbanisme participatif. On a fait plein de la consultation autour du Parc des Compagnons en pleine pandémie. Donc, on a trouvé des façons d'aller rejoindre les citoyens. C'est une préoccupation qu'on a tout le temps. Donc, dans la plupart de nos projets d'envergure, on a des discussions, des ateliers et on fait souvent appel à des firmes externes. Si je pense aux Terrasses Rois ou d'autres skatepark, des projets de réaménagement, on a régulièrement fait appel à des expertises externes pour justement avoir des intervenants dont c'est le domaine de spécialité et qui sont aussi neutres, donc qui sont capables de faire la médiation, de faire sortir les idées de chacun, les bonnes idées. Puis après ça, évidemment, nous, en conseil d'arrondissement, on prend les décisions. Oui, je comprends. Ma question était mal posée, mais en fait, c'est juste parce que j'ai vu comme les fleurs de macadam, puis je trouvais qu'il y avait une belle participation des citoyens, puis j'aurais aimé... Je pense que plusieurs citoyens aimeraient qu'il y ait une démarche similaire, mais j'ai mal posé ma question. Non, mais c'est ça dépend des projets, ça dépend des enjeux. Des fois, c'est possible, des fois, ça l'est moins. Sur l'ensemble du parc, c'est plus possible. Sur la piscine, ça va être plus difficile. Parfait. Merci beaucoup. Prochaine personne. Pardon. Donc, prochaine personne, Madame Annick Poitras. Je désire ne pas être filmée, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je ne prends pas de chance, j'ai une petite toux. Alors, je n'ai pas la COVID, à ce que je sache, mais je ne prends pas de chance. Merci beaucoup. Parfait. Donc, j'habite depuis 10 ans une petite copropriété de 5 copropriétaires
situé au 44-94-84 Follum, soit en biais avec le site projeté de la nouvelle piscine Baldwin. En 2018, après un été particulièrement chaud et sec, qui annonçait ce qu'on est en train de vivre maintenant, d'année en année, notre immeuble, qui bougeait déjà depuis plusieurs années, a littéralement calé dans le sol, de sorte que les murs ont craqué, que les portes et fenêtres ne fermaient plus. Alors, nous avons investi plus de 50 000 $ pour pieuter notre immeuble, en partie, assez pour limiter les dégâts qui pourraient être permanents, et on a déjà des dégâts permanents qu'on ne peut réparer. Notre voisine, qui, elle, est une dame âgée à la retraite, qui loue, elle, des logements, donc à des citoyens du plateau, elle, elle a dû sortir de sa poche plus de 50 000 $ aussi pour stabiliser son immeuble. Donc, à deux immeubles, nous sommes à plus de 100 000 $ en pieutage. Notre histoire est malheureusement celle de plusieurs propriétaires de la rue Follum, de la rue Terrasse-Guindon, de la rue Chapelot, de la rue Marianne-Est, etc. On le sait, et vous le savez, le sol de l'est du plateau est argileux et meuble. Ce n'est pas seulement le site de la piscine Baldwin actuelle qui est meuble. Le site de soccer, de terrain de soccer sur lequel vous projetez, creusez la piscine, il est juste l'autre bord de la rue de chez moi. Alors, c'est sûr qu'il est aussi meuble que le sol de ma propriété. Ceci dit, je vous raconte ceci parce que vous projetez de creuser un grand trou juste en face de chez moi, en biais, de l'autre côté de la rue. Un grand trou, pour tout dire, soit une piscine de 50 mètres par 25 mètres qui comportera 6 couloirs et qui contiendra 400 000 gallons d'eau. Où est-ce que j'ai pris cette information-là? Je l'ai prise dans l'appel d'offres qui est présentement public sur le site électronique des appels d'offres. Donc, autrement dit, vous allez retirer le même volume de terre, soit 400 000 gallons de terre, pour creuser la piscine. Alors, moi et plusieurs propriétaires, nous sommes très inquiets de possibles mouvements de sol majeurs qui risquent de créer une instabilité du sol encore plus grande que celle qui existe déjà. Sur le site de la Ville, on peut lire, par rapport à la piscine Baldwin, vous avez écrit que vous voulez bouger la piscine parce qu'il y a risque d'impact du pieutage sur les résidences environnantes du site actuel. Alors, ceci m'amène à poser la question. Selon les analyses que vous avez faites du sol, du terrain de soccer où vous projetez mettre la piscine, études qui ne sont toujours pas dévoilées à nous, devrez-vous pieuter la nouvelle piscine comme nous avons dû piéter nos immeubles? Et si oui, quelle protection offrirez-vous aux résidents qui risquent de perdre, voire leur propriété se dégrader? Okay. Donc, habituellement, en conseil d'arrondissement, il y a les questions, il y a les réponses, il n'y a pas d'applaudissements, chahutage ou petit truc comme ça. On ne fait pas ça d'habitude, donc je veux juste vous le rappeler. Là, on est en séance officielle de conseil d'arrondissement. Votre question, je comprends vraiment votre préoccupation. Le 25 septembre, on organise une séance d'information justement pour que nos équipes techniques puissent être là. Parce que nous, on n'est pas les experts, on n'est pas les études techniques. On nous présente les dossiers comme vous avez vu. Donc, nos équipes techniques vont être là, vont pouvoir répondre plus en détail à votre question. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est que la partie nord du parc Baldwin, le sol était beaucoup plus, beaucoup moins friable que la partie sud et que ça allait exiger beaucoup moins d'intervention et que ça allait assurer la pérennité de la piscine, ce qui n'était pas le cas dans la partie sud. Mais je vous invite vraiment à revenir le 25 pour pouvoir poser vos questions là, à nos professionnels, parce que quand on fait une séance d'information publique, c'est nos professionnels qui sont là aussi pour être capables de répondre à vos questions plus techniques. Je suis d'accord. Je vais être là, bien sûr, le 25 septembre. Mais vous avez dit, dans l'article du Devoir, publié le 5 juillet 2023,
La conclusion des analyses de sol est que la contamination y est beaucoup plus faible, mais surtout, on n'est pas au-dessus de l'ancien dépotoir. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire et le niveau de risque est beaucoup plus faible si on fait le projet là. Donc, moi, je peux vous dire que, étant donné qu'on est une bonne gang à cette fête pieuté, depuis que les grandes chaleurs sont arrivées, depuis 10 ans, on le sait que quand il fait très chaud, les arbres matures sur Follum, les racines vont en dessous des maisons et les racines boivent toute l'eau. OK? Donc, on cale dans l'argile et le sol est meuble. On n'est pas loin du dépotoir. Hein? Alors, le sol est meuble. Alors, sachez que votre piscine, si vous, un des arguments était de ne pas vouloir la piéter à cause des coûts astronomiques, si nous, on a dû, l'autre côté de la rue, faire piéter nos immeubles, bien, vous allez faire un autre rue qui sera certainement Bisson Expert pour votre piscine. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Normand Belair. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, oui, je suis Normand Belair, propriétaire du 4248 Garnier. Ce soir, je veux vous parler de Ruelle verte et le comité de verdissement. Il y a des gros problèmes dans le processus de fonctionnement lors de l'implantation d'une ruelle verte dans le plateau Mont-Royal. Le processus est défectueux, voire biaisé, manque d'honnêteté et manque de démocratie. Vous êtes le politique. Je m'adresse à vous tous, toutes, pour corriger le problème. Je prends pour référence la demande du projet dans la ruelle Garnier au sud de Marianne. Actuellement, il y a 122 résidences, plus de 200 personnes, et un projet a été présenté par 10 à 15 personnes. Je vous résume la démarche du comité en 4 points. Aucune obligation d'informer tous les gens au départ du projet. Le formulaire 2 n'est distribué qu'à quelques résidents, pas tous. Il est distribué avant même de voir le plan et les gens se prononcent déjà à ce stade-là. On se prononce sur un brouillon, mais le comité prend ceci comme un vote définitif. Ensuite, il y a une séance d'information, sans informer tous les citoyens de la tenue de cette rencontre, là où c'est le seul moment pour les opposants de pouvoir s'exprimer. Et il n'y a pas de vote suite à cette rencontre. Ah bon? Là où on nous dévoile le plan. Le plan est déjà accepté sans vote. 3. Il y a des critères différents pour chaque groupe de citoyens. Que vous soyez pour ou contre. Pour, aucun seuil. Si vous êtes contre, il faut 50 % de tous les riverains résidents citoyens du coin. Ça, c'est écrit dans les règlements du verdissement. Puis en plus, non seulement sur le formulaire 2, on nous dit « Êtes-vous pour ou contre le projet, le plan? » En plus, il faut remplir un autre formulaire additionnel à fournir pour ceux qui s'opposent. En plus, si un propriétaire non occupant vote, il coupe la possibilité d'avoir 3 votes de 3 locataires différents. Comment c'est géré? Ben, c'est juste 1 vote par adresse. Alors, qu'est-ce qui prime? Les 3 locataires ou le propriétaire qui n'habite pas? Dans le cas de 2 copropriétaires, il compte qui? Pourquoi pas l'autre? C'est l'opacité totale lors du décompte. Ceci n'est pas la façon d'implanter des décisions prises par une minorité qui affecte tous les citoyens. Exemple, dans ce projet-là, ça fait depuis le printemps, les gens ont commencé à mettre une chaîne au bout de la ruelle. Imaginez, ils sont au brouillon. Faut que vous arriviez à votre question. Oui, j'arrive. Je termine. Donc, il y a une chaîne, puis le projet a eu lieu il y a 3 ans, il a été abandonné. Les gens ne veulent pas nécessairement des ruelles vertes. Mon porte-à-porte me fait dire, ils veulent des ruelles propres.
Vous n'avez plus de balai. Vous ne passez plus le balai. Vous n'enlevez pas le graffiti. Vous ne ramassez pas les vidanges. Vous pouvez poser votre question? Je la pose. Il me reste 4 lignes. Vous êtes le politique. Maintenant, vous savez. Vous pouvez tout dire, vous ne savez pas. Maintenant, c'est à vous d'agir et corriger ce malheureux processus qui n'a rien de juste, d'équitable ou de démocratique. Je m'attends à une action de votre part pour rendre le processus juste, équitable pour tous. Allez-vous agir? Je vous remets une documentation. Merci. Merci beaucoup, M. Belair. On est le politique et donc on connaît bien ce programme-là puisqu'on l'a désiré, on l'a implanté et on l'a peaufiné avec les années. Ça fait longtemps qu'on fait des ruelles vertes dans le plateau Mont-Royal. Et effectivement, c'est une orientation politique que de désasphalter, déminéraliser et verdir l'arrondissement. Vous trichez, madame. Non, vous ne me coupez pas la parole, monsieur. Je m'excuse, il y a une procédure en conseil d'arrondissement, ça ne peut pas fonctionner comme ça. OK? Donc, je suis en train de vous donner, j'ai écouté votre question, je vous donne ma réponse. Quand on fait des ruelles vertes, donc le processus, effectivement, vous l'avez bien décrit, quand il y a un comité de citoyens qui se mobilise, qui s'organise, qui va chercher des appuis, qui dépose un projet, pour contrer ce projet-là, il faut que plus de la moitié des riverains se mobilisent et fassent la démonstration qu'ils ne le souhaitent pas. Donc, 50 % plus 1 des adresses doivent signifier qu'ils n'en veulent pas. Et quand on a cette démonstration-là avec un document signé par la moitié plus un des adresses, on ne fait pas le projet, on ne le finance pas, il n'a pas lieu. Bon, OK. Bien, si c'est comme ça que vous le prenez, je peux arrêter de vous donner une réponse aussi, là. Ça ne me dérange pas. Non, mais c'est tout. On s'est terminé. Est-ce que l'échange est terminé? Je veux dire, vous radotez la même chose qui est écrite sur le site. Ben voilà. Alors, voilà ma réplique. Ma réplique, c'est un programme c'est... Non, vous n'avez pas de réplique. Vous avez dépassé largement votre 3 minutes. Je vous ai demandé deux fois de poser votre question. Vous avez continué à intervenir. Vous avez interrompu ma collègue. On a entendu votre point. On vous a répondu. On passe à une autre personne. Merci. Madame Julie Thériault. Bonsoir. C'est un peu bas, mais attendez, ça va aller mieux comme ça. Bonsoir. Alors, on parlait de site web tout à l'heure. J'aimerais lire un extrait du site web de Projet Montréal. C'est avec les pieds ancrés dans le présent et les yeux tournés vers l'avenir que nous agissons pour faire de Montréal une ville où il fait bon vivre. C'est l'audace, l'innovation et l'ambition qui guident nos idées, nos projets et nos réalisations. En plaçant les citoyennes et citoyens au cœur de ces décisions et en étant à l'écoute de la population montréalaise, Projet Montréal s'active à bâtir la société de demain. C'est une belle promesse que beaucoup de gens ont voté pour, je tiens à le dire, ici, ailleurs. Dans le présent projet, soit le réaménagement du parc Baldwin, un tout autre scénario se dessine, selon mon humble perspective. Laissez-moi vous apporter des points clés en rafale. Site actuel, démolir une piscine où le document technique admissible qui recommande la destruction de la piscine ne semble pas disponible. Démolir le pavillon des baigneurs, remblayer le trou de l'ancienne piscine sans décontaminer le site actuel, donc un sol contaminé. Sans dévoiler les études de la caractérisation des sols biogaz, sans dévoiler les études qui prouvent la friabilité des sols, pardon. Pourquoi est-ce bon pour les immeubles à côté de la piscine? Aucune mention que des démarches ont été entreprises auprès des paliers provinciaux et fédéraux pour obtenir des subventions liées à la décontamination qui pourtant, à mon avis, encore une fois, existent. Et le tristement jardin communautaire exclu de ce grand projet de revalorisation, qui a été mentionné du moins au dernier conseil, on n'a pas plus d'informations. Au niveau du site projeté au côté nord, on détruit un espace vert pour y couler une quantité astronomique de béton. Je vous invite d'ailleurs à consulter le magnifique document de Marie-Hélène Champoux qui vous a été déposé avec des idées innovantes sur des façons différentes de faire des piscines que de creuser. Près de 3 millions de dollars pour déménager un terrain de soccer qui existe déjà et installer une piscine d'une longueur de 50 mètres sur une longueur olympique et l'inclusion d'une plage, on ne parle pas d'une piscine de quartier. Là, moi, je ne suis pas spécialiste, mais on parle plutôt d'un attrait touristique à côté d'une rue piétonne que l'on sait si on s'y promène et très touristique maintenant.
ce serait le temps de voir les études là-dessus aussi. Aucune sensibilisation d'études d'impact sur la qualité de vie des citoyens de l'achalandage projeté et de la capacité d'accueil. On parle d'une rue one-way, de petites rues très tranquilles. Aucune démarche d'acceptabilité sociale pour les résidents vivant en proximité. Aucune démarche de consultation publique, blablabla. Bla, bla. En 3 ans, puis je le demande sincèrement, qu'est-ce qui vous a empêché ou qui vous empêche d'ouvrir le dialogue avec les citoyens et de miser, puis j'en ai parlé l'autre fois, l'intelligence collective et l'innovation, d'inclure d'autres parties prenantes neutres, puis ça va pas bien, là, d'en jaser, comme Vivre en ville, un laboratoire universitaire en innovation urbaine, je tiens à dire qu'on en a contacté, sont intéressés, qui n'ont pas d'intérêt financier. Un vrai projet citoyen, un directeur scientifique comme la Ville de Longueuil, de faire une consultation publique avant l'appel d'offres. Avant l'appel d'offres, oui. Donc, c'est ça. Est-ce que vous vous engageriez peut-être à mettre sur pied rapidement une consultation publique et non pas une présentation avant d'aller en appel d'offres, que vous avez mentionné d'ailleurs qu'il n'y aurait pas d'appel d'offres fait avant cet automne? Ceci est ma question. Il y a beaucoup d'éléments dans votre question. La piscine, ça va être une piscine de quartier. Donc, on veut desservir la population locale, les familles qui habitent dans l'est du plateau. C'est vraiment ça l'objectif. Puis, plus on a avancé dans les discussions, plus on voit que les coûts augmentent, plus on veut un projet modeste qui va répondre aux besoins de la population du quartier quand il fait chaud pour que les gens puissent aller se baigner. Première chose. Deuxième élément, parce que là, vous parlez des différents paliers de gouvernement, la décontamination, etc. La décontamination, la ville a déjà un programme de décontamination. On est bien au courant parce que la ville, c'est aussi nous. Donc, on est au courant de ce programme-là. Et il y a des fonds qui viennent du gouvernement provincial dans un programme de décontamination géré par la Ville de Montréal. Donc, évidemment, c'est une des sources de financement. Sur la portion intelligence collective, on a une rencontre d'information parce que pour être capable de se prononcer, il faut avoir l'information. Et la dernière fois, vous nous avez dit, on n'a pas l'information, vous ne nous donnez pas l'information, venez nous présenter, c'est quoi le projet, comment vous arrivez à cette conclusion-là, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi les études que vous avez faites? Et notre réponse, c'est le 25 septembre, nos équipes vont être là, ils vont pouvoir vous présenter l'info et ensuite, vous allez pouvoir nous transmettre des propositions, des suggestions, des commentaires pour que vous ayez le temps de digérer cette information-là. Donc, c'est ça notre réponse digérer, c'est parce que ça veut dire que des fois, quand on est dans une séance d'information, on nous dit plein d'affaires, puis on se fait obligé de répondre live en direct, alors que quand on retourne chez nous, on y repense, puis on se dit « Ah, bien, finalement, peut-être que ça n'a pas de bon sens, telle affaire. » Donc, c'est un peu ça. On veut vous laisser du temps pour être capable de... Bon, écoutez. Donc, voilà. Sous-question. Oui, allez-y. OK. Merci qu'on puisse avoir de l'information. C'est parfait parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'on se trouve tous avec le même niveau d'information. Puis c'est pour ça qu'on est comme des détectives privés estivales pour essayer de trouver de l'information. c'est ce qui m'est venu en tête. Je suis désolée. Ceci étant dit, est-ce que suivant cette présentation où on va avoir toute l'information, il y a possibilité d'une consultation publique où, justement, les citoyens pourront s'impliquer de façon intelligente dans le projet? Est-ce qu'on peut faire ça? Bien, en fait, ce qu'on a prévu, c'est que vous allez avoir 2 semaines pour vous transmettre des suggestions, des commentaires, okay. Des propositions. C'est ce qui est prévu sur la piscine. Sur la piscine et ensuite sur l'ensemble du parc, ça, c'est une autre affaire. On a plus de temps devant nous et on pourrait avoir des discussions plus larges. Défi 30 jours. Je donne un défi. 30 jours à penser à la piscine avec l'intelligence collective. Je suis sûre que vous auriez l'air extrêmement brillant au point de vue international même. C'est une idée. C'est pas mon objectif. Ah non? Merci. D'accord. Donc, prochaine personne. On a déjà eu 3 questions sur la piscine Baldwin. Donc là, on va passer à des questions sur un autre sujet. Puis vous pourrez revenir à la fin. Donc, Madame Céline Barbeau. Madame Barbeau, est-ce que c'était une question sur la piscine? Non. Ah, ben allez-y, allez-y. Allez-y. Mais, vous parlez tricot? Ben, oui, on est prêts. Moi, je me suis dit que ça va dégoûter. On est prêts. Ou de boutons? Ah non, je vends juste de la laine. Mais ça va me faire plaisir de vous apprendre aussi à coudre un bouton. Je peux vous l'apprendre. Hello. Donc, je me présente. Je m'appelle Céline Barbeau. Je suis la propriétaire de la Maison Tricotée. Je suis entre Guildford et Restaure. Je suis là parce que apparemment il y a une demande pour bloquer
un tronçon de la rue Saint-Hubert et qu'on est des petits commerçants et qu'on fait partie de la communauté. Et je vois tout le monde ici, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont du quartier, mais vous n'avez aucune idée de qui je suis, mais c'est bien correct. Venez tricoter chez moi, vous allez voir, c'est vraiment cool. Puis souvent, on nous dit « Oh, mais c'est pas grave que les gens puissent se parquer chez vous puisque vous êtes un quartier, un commerce de proximité. Ben, » Si j'étais un commerce de proximité, quand j'arriverais au micro, je ferais « Hé, Céline !» Bon, personne ne dit « Hé, Céline !» parce que vous ne me connaissez pas. Hein. Donc, je ne suis pas vraiment un quartier, un commerce de proximité. D'accord ? Il y a des gens du quartier, mais il y a des gens qui arrivent d'ailleurs. Et c'est vrai que souvent, les gens vont chercher à se garer. C'est très, très difficile. Et donc, c'est pour parler de cette idée qui apparemment poserait beaucoup de problèmes pour la circulation par rapport à la rue Saint-Hubert. Juste prendre en compte qu'on fait partie du quartier, qu'on lui donne une âme aussi. Hein, nous, on est un petit commerce. Un petit commerce, ça ne veut pas dire que j'ai de l'argent. J'aimerais bien. Ça veut dire que je bosse 7 jours sur 7. Je suis entrepreneur femme et que ben, j'ai 3 enfants en maman solo. Et que ben, c'est ça. Ma vie, c'est ça. C'est de la passion. Enfin, sinon, j'irais faire une autre job. Je peux faire plein de trucs, vous allez voir. Mais voilà, c'est de la passion. Donc, c'était juste pour dire que ça va être important de comprendre... ben les besoins aussi des commerçants. Si on bloque un tronçon de rue, bien c'est très, très difficile pour les gens de venir se garer. Et on en a besoin. Voilà, c'était tout. C'était... Merci. Voilà. Mais je ne pensais pas que je passerais avant tout le monde. Mais ça me fait plaisir. Je dis bonjour à tout le monde. Merci. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'était un commentaire qu'une question. Céline, je te connais bien et j'ai été à la genèse, j'étais très proche à la genèse de ton projet. Peut-être juste une précision, je me rappelle à quel point c'était important pour toi d'être à la sortie du métro. Tu as calculé les pas, tu es à 60 pas du métro, donc ça, c'est une des forces de ton commerce. Puis c'est ça, le reste de ton commentaire, on le prend, on l'entend. Mais ça, c'est très important aussi par rapport à ton autre... succursale. Donc, merci de ta question, ton commentaire en fait. Prochaine personne, Kevin Desormeaux-Pierre. Bonjour, donc c'est la première fois que je me présente dans une assemblée. Ma question va être très précise. Je ne pense pas que je vais prendre la moitié du temps. Moi, c'est plus par rapport à la circulation. Moi, je réside sur Delorimier, en Delorimier-Saint-Joseph. Donc, il y a eu plusieurs changements de rue dans le quartier. Et j'aimerais juste avoir une discussion par rapport aux conséquences aux changements, conséquences au fait que le pont Hippolyte Lafontaine a l'air de transférer beaucoup de circulation dans notre coin. Et en ce moment, je pense que je parle pour plusieurs personnes. Je ne sais pas pour s'il y a du monde qui habite dans le coin. On a l'air d'être un peu en otage de la circulation. J'ai un véhicule, malheureusement, je me suis vraiment désolé. Je sais qu'on n'est pas supposé avoir un véhicule dans le plateau, mais j'ai un véhicule, puis des fois, j'aimerais aller à l'épicerie ou quelque chose, et ça prend 45 minutes sortir, parce que Papineau, entre 7h du matin et 11h, c'est l'enfer. Entre 2h30 ce matin, il y a eu des problèmes de lumière et ça a créé un chaos complet. Et ma question va être précise, c'est quoi l'avenir de ce coin? Parce que je pense qu'on prend des décisions qui causent des conséquences, puis des fois, les citoyens se trouvent un peu à ne pas comprendre c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va. Puisqu'on n'a pas le choix, il reste 3 années de Hippolyte Lafontaine, des travaux, les autos s'en vont nulle part. J'aimerais bien que les autos disparaissent, mais on va vivre avec. Bien, donc, comment on peut atténuer Delorimier, Papineau, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais peu importe, mais c'est ça ma question. Ouais. OK. Je vais juste commencer, puis je vais laisser ma collègue Marianne Giguère, qui est conseillère dans le district, qui habite aussi dans le district. On est 3 habités pas mal autour de ce coin-là. Donc, on le connaît très bien. Donc, les changements de sens de rue, il y en a eu 2. Laurier-Est, Guilford. Et vous savez maintenant, avec les applications Waze, Google Maps, les gens évitent
les grandes artères, ils se trouvent des passages pour passer dans nos petites rues locales parce qu'ils ne veulent pas être coincés sur Saint-Joseph, par exemple, ou sur les grandes artères. Avant, il y avait juste les résidents qui connaissaient le truc. Donc, ça, c'était vivable. Maintenant, c'est les applications qui poussent les gens et qui se retrouvent. Et on avait, à la fois sur Laurier et sur Guilford, vous savez, un CPE, on a des écoles, des espaces, parcs, etc. Donc, on a voulu casser le fait que les gens évitent Saint-Joseph pour se ramasser sur nos petites rues locales, donc avec un sens unique. C'est une mesure qu'on a déjà faite ailleurs dans le plateau dans les 14 dernières années. Mais c'est les deux petits tronçons. Donc, ce n'est pas des grands changements. Par rapport à Hippolyte Lafontaine et l'enjeu plus large de la circulation automobile à Montréal, mais dans les quartiers centraux, vous le savez, le parc automobile augmente beaucoup plus vite que la population. Il y a toujours de plus en plus d'autos. Et un nouveau phénomène qu'on a, c'est que non seulement il y a plus de voitures, elles sont plus grosses. Donc, on a maintenant, les voitures sont de plus en plus grosses. Donc, ça prend plus de place. Et la ville, elle est déjà bâtie. Hein, donc, on ne peut pas ajouter, enlever des maisons pour faire des rues. Donc, à un moment donné, le réseau est à saturation. Et quand on arrive avec des grands projets comme Hippolyte Lafontaine, bien là, évidemment, ça déborde et il y a des impacts dans les quartiers limitrophes. On a une mesure prévue sur l'avenue de Lorimier, le retrait du stationnement. Tu veux? En fait, on l'a déjà annoncé. C'est le contraire, monsieur le maire. On va préserver du stationnement, oui, pour protéger les piétons. C'est dans un autre ordre d'idée, mais quand même, ça rejoint un peu. C'est-à-dire que quand on marche sur Delormier, mettons qu'on amène nos enfants à Saint-Pierre-Clavert à l'école, le trottoir est très étroit. En heure de pointe, de chaque côté de la rue, en ce moment, il y a des interdictions de stationner pour ajouter des voies pour que les voitures circulent plus, ce qui fonctionne très mal parce qu'il y a tout le temps une auto qui reste quelque part. Donc, il faut de toute façon reprendre la voie de gauche, la contourner. Donc, ça crée de l'embouteillage et ça oblige les résidents à enlever leur auto à tous les jours. Alors, on a demandé d'enlever cette interdiction de stationnement-là. Donc, Delormier va être à deux voies tout le temps, 24 heures. Et donc, on va créer du stationnement permanent sur la rue et protéger les gens qui marchent sur les trottoirs étroits et qui se font frôler par les camions, les autobus, les miroirs d'autobus. Mais je ne sais pas autrement là, comment compléter. Peut-être que vous pouvez faire votre question complémentaire. Oui, parce que ma question, c'était comment on va peut-être pas atténuer, mais améliorer la situation. Mais si je sais que c'est très énervant, je le fais à chaque jour, je travaille à la maison, de retirer mon véhicule. Mais si on enlève les deux voies, puis on garde juste une voie, ça risque d'être 20 fois. Là, ça commence de Sherbrooke. Ça ne bouge plus. Là, si on enlève une voie, ça risque d'être deux fois. Non, vous pensez? Je sais que c'est très énervant qu'il y a une auto sur 10 qui reste, mais ça a quand même amélioré. Il faudrait avoir une étude pour voir si on enlève une voie. C'est déjà assez chaotique. On va dire on va juste garder une voie, puis on verra. Il y a tellement d'autos, ça a l'air d'être un petit peu. Ces études-là, en fait, elles existent. Hein? Il y a beaucoup d'ingénieurs en circulation qui ont analysé, qui modélisent la circulation. Et on sait que si on a des voies qui merge, là, qui se rejoignent, puis que les voitures sont obligées de contourner une auto qui est restée dans l'interdiction de stationnement ou quelqu'un qui est garé en double, ça cause de la congestion, beaucoup plus qu'une voie qui est toujours fluide, où les gens sont engagés, où ils n'ont pas. C'est un peu contre-intuitif, mais l'inverse est aussi vrai. La circulation induite, c'est aussi un phénomène qui est connu, qui est étudié, où plus on ajoute des voies, bien, plus les voitures se mettent dedans. Puis ça marche une année ou deux, puis c'est pas long que ça ne fonctionne plus. Et on se dit toujours, mais maintenant, on va élargir les autoroutes. Et c'est un problème, c'est un cercle vicieux. Donc, pour vous répondre à votre question, on protège le plus possible les quartiers, les rues locales, les rues avec des écoles, les rues où le plus de marcheurs, de cyclistes circulent. On canalise la circulation sur les artères. Il y a beaucoup de circulation. C'est loin d'être juste la faute à nos sens uniques. On a aussi ajouté des pistes cyclables sur Laurier et Guilford. Donc, on ajoute des options. Sur Saint-Joseph, on a la voie réservée. Donc, sur Papineau aussi, la STM travaille sur d'autres. Dernier point, je sais que je suis vraiment désolé. Je respecte absolument tout, bonne décision, mais malheureusement, des fois,
ça cause qu'on prend une ruelle parce que ça prend 25 minutes passer sur Saint-Joseph. Donc, tu veux aller sur Maçon, donc tu dis, oh mon Dieu, je ne vais pas prendre 25 minutes, je rentre dans une ruelle, puis là, il y a des enfants, il y a des... Fait que des fois, il y a des conséquences à certaines décisions. Je respecte toutes les décisions du vélo et tout, mais des fois, ça a l'air que les gens sont frustrés en ce moment. Oui, non, tout à fait. Je veux dire, à ce moment, il y a de la congestion. Puis il faut se rappeler, il faut surtout se rappeler que la principale cause de la congestion, c'est parce qu'il y a trop de voitures. Prochaine personne, Diane Lanier. Lanier. Bonsoir. Oui, je suis Diane Lanier, membre du comité des citoyens du Milan et très active au sein du comité des résidents de la Duclac. Je viens ce soir vous remettre une pétition de 502 noms qui demeure active. La pétition continue à circuler. Cette pétition-là porte le titre « Sauvons le parc sans nom ». Est-ce que vous connaissez ce qu'est le parc sans nom? Je vais vous le décrire. Le parc sans nom est considéré comme un îlot de chaleur urbain élevé. Il est une source de préoccupation car il génère des impacts négatifs sur la santé des riverains. Comme connexe au parc pour enfants, les ADC-là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur, près de la rue Clark, et le boulevard Saint-Laurent et la rue Van Horn et rue Laurier. La volonté de l'arrondissement du plateau veut quand même étudier la possibilité de faire du parc sans nom soit un parc pour les chiens, ou conserver le parc sans nom pour un parc tel qu'il est en ce moment. Nous sommes d'avis que le parc sans nom doit être sauvegardé et aménagé comme un lieu multifonctionnel avec des aires de plantation, de repos et de jeux bien comptés, bien entretenus, innovatrices et stimulantes pour les familles, les jeunes et les personnes de tous âges pour contribuer à leur bien-être dans un cadre de vie sain et sécuritaire. Le parc sans nom doit être reconnu par la municipalité comme le prolongement du petit parc pour enfants, les ADC-là. Actuellement, il est dans meilleur état que voilà quelques mois. Et je remercie Mesdames Marie, Claude et Sterlin de nous avoir rencontrés cet été pour faire en sorte que le parc soit en meilleur état. Et hier, il y avait 150 personnes qui pique-niquaient au parc sans nom. Et c'est pour cette raison-là que nous voulons conserver le parc sans nom comme un parc fonctionnel et pour les familles et les gens de tout Montréal. Merci. C'est beau. Est-ce que vous avez une question? Oui, vous aviez reçu, je pense, cet hiver, un mémoire où il y avait eu une rencontre organisée par le comité des citoyens du Milan sur différents points. Et il y avait un comité qui étudiait toutes les possibilités pour le parc sans nom. Vous aviez reçu ce mémoire-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui en est venu, quels sont vos... est-ce que vous avez pu le lire et considérer ces recommandations-là? OK. Mais je vais laisser les conseillères du Myland vous répondre. Oui. Moi, je peux juste revenir sur le fait que oui, on a eu cette rencontre au début de l'été avec deux membres du comité citoyen, puis oui. une citoyenne qui a sa garderie, qu'on a écouté, On vous a aussi dit, Marie est très au courant, que tout ce quadrilatère-là est en train d'être défini.
il n'est pas question de sacrifier le parc Saint-Nom. Il n'y en a jamais été question. Vous connaissez mieux que moi, sans doute, parce que votre implication citoyenne remonte sur ce dossier-là avant la mienne. L'origine de ce parc-là, c'est de l'asphalte en dessous du viaduc qui a été arraché vraiment pour faire un espace vert. Donc ça, pour le reste, peut-être, je ne sais pas si Marie a des choses à préciser sur la redéfinition de tout ce quadrilatère-là, mais on est très conscient des stocks qu'on a. Les gens ont besoin d'endroits de verdure. Oui, les promeneurs de chiens ont besoin d'espace, mais on ne manque pas de verdure dans ce coin-là. Donc, ça va dans tous les sens. Mais c'est quand même, quand vous dites que c'est quand même un endroit où qui a été, on a mis 300 000 $ il y a quelque temps pour le reverdir. On maintient quand même que ce parc-là doit être amélioré. Et on est prêt à participer à une discussion avec des urbanistes, avec M. Norris, s'il le faut. Mais on est toujours prêt à discuter de ce parc-là. OK. Mais on sait que vous savez qu'on va venir vous rencontrer, puis que ici vous venez, vous vous parlez de vos préoccupations, vous posez votre question. Puis après ça, il y a un autre espace parce qu'on discute de ces choses-là. Bon, on va discuter encore. Ça, c'est possible, hein, si vous êtes toujours ouvert. On est toujours là pour discuter avec vous, Mme Lanier, vous le savez. Prochaine personne, Joshua Wolf. Permettez, je voudrais que ma collègue Claudine Sheridan parle parce qu'elle est venue, elle est arrivée plus tard. Oui, je m'étais rendue sur la rue, sur l'autre rue. J'ai trouvé ça difficile, mais ce n'est pas grave. Le 18 mai, moi je viens pour parler de 1 Van Horn, du bâtiment 1 Van Horn. Le 18 mai passé, le comité des citoyens, nos deux élus et un membre de la CDC, Plateau Mont-Royal, au cours de cette rencontre, vous avez mentionné, monsieur le maire, qu'il était important que le projet du 1 Van Horn soit un plus pour la communauté et que le promoteur doive présenter un projet exemplaire qui répond aux besoins du quartier pour qu'il soit accepté. Vous avez mentionné aussi l'importance que le promoteur réfléchisse à une version 2.1 du projet avec les parties prenantes du quartier, dont les citoyens et les citoyennes. Nous ne croyons pas que c'est le cas en ce moment. Ça, c'est ce que vous disiez le 18 mai. Le 1er juin, le promoteur avait, par l'intermédiaire de la firme Ryan Affaires Publiques, organisé une rencontre pour sonder la population en transformation de l'usage du bâtiment. Alors, en tant que représentant des citoyens du Mainland, nous avons participé à cette rencontre avec d'autres groupes communautaires. Et je vous mentionne qu'on nous avait demandé de limiter notre présence à 3 personnes par groupe, ce qu'on a respecté. Donc, le 1er juin, on se retrouve une trentaine de personnes du plateau et de Roson Petite Patrie réunies dans le bâtiment du Havanon. On pensait assister à une réunion pour trouver ensemble des solutions acceptables pour tous et tous semblaient ouverts à la discussion. Mais la soirée s'est déroulée à moitié dans la pénombre parce qu'il y a eu une panne d'électricité. Personnellement, je trouvais qu'on aurait dû tout arrêter puis dire bonjour à la semaine prochaine parce que quand on ne voit pas, on entend mal. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Donc, on a posé quelques questions, mais les réponses étaient toujours floues et insatisfaisantes. On était venu à cette rencontre dans un désir sincère de collaboration, mais le dossier nous a semblé décidé d'avance. Par la suite, en juillet, il y a eu une autre rencontre de travail avec des individus ne faisant pas partie d'une organisation. Aucune personne qui avait été invitée à la première réunion le 1er juin n'a été réinvitée à la deuxième. Pourquoi ? On n'en sait rien. Tout semble flou et un peu vague. Ça manque de transparence et d'ouverture. On ne comprend pas trop comment ça se fait. Alors, il faudra que vous arriviez à votre question, parce qu'il vous reste 15 secondes.
Oui, va distribuer ça, d'accord. Le comité des citoyens est donc toujours préoccupé par l'avenir du bâtiment Vanon et à son utilisation future. Et l'esprit communautaire de notre quartier est très développé et on aimerait qu'on respecte notre qualité de vie. Bon, par conséquent, pouvez-vous nous dire où en est l'avancement du dossier 1 Vanon? Le promoteur du projet a-t-il présenté à l'arrondissement un nouveau projet? Et si ce n'est pas le cas, existe-t-il une échéance pour le faire? OK. Donc, juste pour que tout le monde comprenne, ce n'est pas un projet de l'arrondissement. C'est un propriétaire privé qui a un bâtiment qui lui appartient, qui nous a déposé une proposition. Et on lui a dit que sa proposition n'était pas assez intéressante pour que ça vaille la peine qu'on organise une consultation autour du projet. On lui a dit de retravailler son projet et de parler avec les acteurs de la communauté pour nous revenir avec une proposition. Et si elle est assez intéressante, on la soumettra à ce moment-là à un exercice de consultation publique. On n'a toujours pas reçu de version retravaillée. On sait qu'il a organisé des rencontres, il parle avec des gens, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a dit, refais tes devoirs, parle avec du monde, réfléchis à ce qui est possible et qui pourrait être à la fois acceptable pour lui. Il faut qu'il réussisse, il faut que les mathématiques pour lui fonctionnent, qu'il y ait un projet qui soit viable économiquement pour lui. Puis on lui a dit, ça doit être un projet qui bénéficie aussi à la collectivité, donc pas juste au rendement des actionnaires du projet. C'est ça notre cadre qu'on met. Puis jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas eu la version 2 du projet. Est-ce qu'ils ont rencontré des fonctionnaires dans les derniers temps? Ben, pas à ma connaissance, non. Il n'y a pas eu de rencontre. En fait, ils savent que nous, on veut avoir un projet qui est pertinent, qui est utile, qui est reconnu par la communauté, qui est un plus pour la communauté, pour qu'ils fassent leur devoir. Alors moi, avant de vous quitter, je veux juste vous dire qu'au Comité des citoyens du Maïlen, il y a de très fortes chances que dans un avenir très proche, vous receviez un plan d'affaires pour vous dire comment nous, on peut proposer de transformer ce bâtiment pour satisfaire le propriétaire et aussi les résidents. Parfait, alors, merci. Je rappelle que nous, on n'est pas propriétaire du bâtiment. Donc, il y a quand même un petit détail. Non, c'est pas vous. Je disais pour satisfaire les besoins financiers aussi du propriétaire. On en tient compte dans notre plan qu'on vous présentera très bientôt. Merci. Prochaine personne, Sandra Poletto. Bonjour. Je suis un peu intimidée. Donc, je suis venue pour représenter en fait les résidents d'un quadrilatère qui se situe entre Boyer, Christophe Colomb, rue Généreux et la ruelle sud au sud de Guildford. Donc, il y a quelques mois, nous avons été surpris de recevoir une communication de l'arrondissement comme quoi ils allaient bloquer la ruelle au sud de Guildford pour des raisons de sécurité. Donc on nous a installé un beau bac bétonné bien moche. Il commence à pousser des fleurs dessus. Donc cette ruelle, elle permettait l'accès aux résidents, à leur stationnement et à rejoindre l'avenue Saint-Joseph et ce depuis peut-être une centaine d'années. On n'a jamais entendu parler d'accident dans cette ruelle. Après quelques mois donc, de coexistence avec ce charmant bloc de béton, nous sommes une soixantaine de résidents à avoir co-signé une pétition dans le but de faire revoir la position de l'arrondissement sur ce point. Notre constat est clair depuis quelques mois. La fermeture de cette ruelle a eu un effet de vase communicant. Les résidents qui sortaient par celle-ci passent maintenant par la ruelle Généreux pour pouvoir rejoindre Saint-Joseph et cause de nouveaux problèmes de sécurité. Donc, en fait, on a déplacé le problème de sécurité d'une ruelle à une autre. Et sur la ruelle Généreux, qui est, comme tout le monde le sait, la ruelle qui est la plus problématique. Donc la ruelle Généreux, qui est actuellement utilisée pour tout ce qui est livraison, pour le résidentiel, et puis pour tout véhicule à roulettes
pour éviter Mont-Royal. Parce que, bien entendu, Mont-Royal, l'été, s'est fermé. Donc, notre constat 1, c'était qu'on a réglé un problème de sécurité pour en amplifier un autre bien réel qu'on n'a jamais réglé. L'accessibilité à nos logements en est grandement affectée. Cet été, entre la piétonnisation de l'avenue Mont-Royal, les travaux majeurs sur Guildford et le bloc de béton sur cette ruelle, parce que je n'appelle pas ça un pot de fleurs pour verdir la ville, mais c'est vraiment un bloc de béton, il était très difficile de pouvoir nous circuler dans notre quartier et rejoindre notre domicile. Donc, pour pouvoir rejoindre notre domicile, on est obligé de rouler 5 à 10 minutes de plus dans le quartier pour pouvoir trouver un moyen pour rentrer chez nous. Donc, cette fermeture de ruelle, non seulement elle n'a pas géré le problème de sécurité, mais en plus, elle pollue parce que les voitures mettent 10 minutes de plus à rentrer chez eux. Donc, l'accessibilité à nos logements est aussi importante pour tout ce qui est contracteur. On a un problème pour faire revenir la personne qui nous déneige notre ruelle à cause de cette fermeture-là, parce qu'il dit que notre quartier n'est plus accessible et qu'il ne veut plus se déplacer. De même, pour faire un devis, pour une cuisine, pour une chambre, etc., il n'y a aucun contracteur qui veut se déplacer. Quand on leur donne notre adresse dans le quartier, ils regardent sur Google et ils nous disent « Non, on ne peut pas venir, on ne fait pas dans votre quartier. » Donc, en fait, on est en train de devenir... Vous avez posé votre question parce que vous avez passé le 3 oui, minutes. Alors, ben je passe à la question. Je pense que j'ai assez parlé, puis j'en ai marre. Serait-il possible de revoir cette décision qui est un véritable problème quotidien pour les résidents, et ne serait-il pas possible de sécuriser cette ruelle par d'autres moyens tels que des ralentisseurs, dodanes, comme il nous a été proposé sur la rue Généreux? Voilà. Bien, merci d'être venu, puis ça s'est bien passé. Est-ce que vous vous sentez mieux? Vous êtes encore stressé? Ah, allez boire un peu d'eau, ça fait du bien. Il faut bien s'hydrater quand il fait chaud comme ça. Vous avez... donc, on a vos coordonnées parce que vous êtes inscrit à la période des questions? Parce qu'il n'y a personne qui est informé de la situation particulière dont vous nous parlez. Alors, donc, je ne sais pas où vous avez... Écoutez, en fait, je n'ai pas voulu faire une introduction trop longue, donc j'ai coupé une grosse partie, mais il y a 2-3 ans, il y a un comité vert qui s'est constitué de 3 personnes qui voulaient faire une ruelle verte. Ça ne s'est pas fait, donc ils s'y sont pris par la sécurité. Donc, pour faire fermer leur petite ruelle et puis pour avoir un petit terrain à côté de leur jardin, ils ont dit, bon, ben, si ça ne passe pas par la ruelle verte, on va dire que c'est pour une raison de sécurité. Et là, par hasard, en 2 mois, c'était fermé. Okay. Donc, on a une pétition de 60 personnes. Ben, déposez-nous ça, puis on va faire le suivi directement avec vous, là, pour être capable de juste savoir c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Merci. Prochaine personne, Hélène Langevin. Ça va être très court, je vais commencer avec la question. Pourquoi il n'y a pas d'odown entre Marianne et Mont-Royal sur Folhomme? Tout partout, il y a des odown au sud de Marianne, Mercier, Parthenay, Chapleau. Mais cette portion-là, il n'y a pas d'odown. Et là, maintenant, les gens vont assez vite, puis il y a une intersection qui sort la sortie du parc là, sous Marianne. Où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent? Il y a le terrain de soccer. Ça fait que j'aimerais ça. Est-ce possible d'installer des dodowns entre Mont-Royal et Marianne? Merci. Non seulement c'est possible, mais c'est prévu. Ils vont être faits à la fin de l'été, dans le courant de l'automne. OK. Merci. Prochaine personne, Claude Denus. Bonsoir. Ma demande concerne le Xème changement de configuration dans mon secteur puis le blocage planifié coin Garnier-Guildford. On a vécu plusieurs changements au fil des ans. Pour être honnête, ceux faits au début des années 2010 avaient en bonne partie leur raison d'être, mais vous avez vite atteint votre limite parce que tant qu'il va y avoir des voitures, bien, il va falloir réduire, mais aussi accepter qu'il y a de la circulation. Or, après les bons coups du début, depuis environ 10 ans, vous faites juste
déplacer les problèmes, un peu comme ce que la dame a décrit avant. Vous ne réglez plus les problèmes, vous voulez avoir raison sur les déviants. C'est devenu dogmatique. Vous vous parlez dans votre chambre d'écho, puis vous vous convainquez que vous réglez des problèmes, alors que sur le plateau, vous en créez autant que vous en réglez. Ce faisant, vous polluez l'existence de plusieurs résidents du quartier. Vous êtes obnubilés par la chasse aux parcours malins, comme vous les appelez, mais perdez de vue l'ensemble de vos commettants. Il y a du monde qui reste dans ces maisons-là. Il faut qu'il y en ait pour tous. Jeunes, vieux, problèmes de mobilité, porteurs de charges plus ou moins lourdes, etc. On est vraiment devant un cas de l'arbre qui vous cache la forêt, mais ce dernier changement fait en catimini est complètement déraisonnable pour les résidents de Garnier et de Lanaudière. Ce n'est plus les petits détours auxquels on s'est résigné. Ça va devenir très difficile et très long d'accéder à la rue Saint-Joseph, qui est à 200 mètres de chez moi, ou d'entrer chez moi si je viens du nord ou de l'est de la ville. Concrètement, si c'était en place aujourd'hui, puis je l'ai fait aujourd'hui, il faudrait pour entrer chez moi que je sois pris dans la circulation sur Papineau, qui va prendre le pont, jusqu'à la rue Marianne, puis que je remonte de la Naudière. On reste en ville pour éviter ça. On parle d'un détour déraisonnable de 20 à 35 minutes, et plus s'il y a travaux, tempêtes et autres imprévus. Bravo pour les gaz à effet de serre en passant. Pour aller à l'épicerie métro, qui est à 420 mètres de chez moi, le même genre de parcours kafkaïen. C'est bien beau la chasse aux banlieusards qui traverse le plateau, mais vos citoyens y comptent aussi. On a droit à un minimum de mobilité puis de qualité de vie. C'est de l'acharnement puis de la grosse incompétence. Puis je vous demande au nom de plusieurs citoyens de retirer ce projet immédiatement et d'apporter une réponse concrète à ce problème, puis de vraiment consulter ceux qui seront directement touchés. Alors, pouvez-vous retirer ce projet? Donc, pouvez-vous juste... c'est quoi le projet que vous parlez? La mise à sens unique de la rue Guilford? Est-ce que c'est ça le projet? Avec les deux déviations. Il y a une déviation qui est prévue vers l'est en venant de Garnier du nord. Et puis, quand on va venir de la Naudière, il va falloir faire le coin. Puis, on ne pourra plus aller sur Guilford. Donc, le déviateur n'est pas à la même place où on ne peut pas rentrer chez nous. Il va falloir que... Dites-moi comment rentrer chez nous. D'ailleurs, Mme Plourde, elle a été interpellée par un de mes voisins, puis vous y avez parlé d'un léger détour. Alors, je ne sais pas, c'est quoi pour vous la définition d'un léger détour? Parce que ça ne semble pas être la même que la nôtre. Mm-hmm. OK. Donc là, il y a plusieurs choses. Un, le projet de la rue Guilford a été présenté dans une séance publique d'information. Là, on n'a pas fait ça en catimini. C'est la suite d'un projet qui avait été amorcé. Hein. La rue Guilford était déjà en partie à sens unique. On a poursuivi la transformation, la mise à sens unique jusqu'à Follum. Hein. Donc, on est rendu maintenant, tout n'est pas encore... tout est en place. Les travaux sur Guilford ne sont pas terminés, là, mais éventuellement, elle va être à sens unique jusqu'à Follum. Le déviateur change de place. Notre objectif, c'est toujours protéger... il y a une école, il y a un environnement là. On crée une rue-école qui est la première rue-école à Montréal. Ça n'empêche pas de faire ça. On fait la rue-école. Donc... Ça n'empêche pas de faire ça, la rue-école. Vous pouvez faire la rue-école puis nous laisser rentrer chez nous. Je comprends pas, là. Vous avez une proposition précise qui fait que... Parce qu'on peut faire la rue école, on peut faire la rue à sens unique. Qu'est-ce qui marche pas précisément pour vous, là? Bien, dites-moi comment j'arrive chez nous. J'arrive comme ce soir, je l'ai mesuré. Je sais pas c'est quoi un petit détour pour vous. Ça va me prendre 36 minutes de faire ce parcours-là plutôt que d'arriver chez nous par la rue Guilford comme j'arrivais avant. J'arrive de Saint-Joseph, j'attends de je sais pas combien de lumières pour tourner sur Papineau. Sur Papineau, je continue. Là, je pourrais plus rentrer sur Guilford. Je peux pas rentrer l'été sur Mont-Royal non plus. Il faut que j'aille jusqu'à Marianne. Puis là, je prends Marianne, puis je remonte de la Naudière. Plutôt que de rentrer directement chez nous. Ça prend 36 minutes, ça. Il y a du monde qui reste dans ces quartiers-là. Là. Il faut qu'on puisse rentrer chez nous. Puis même chose pour sortir de là, pour aller vers le nord. Comment je vais faire? Je vais descendre encore là, puis monter. Comment je vais faire? Dites-moi comment faire. Parfait. Donc, ça sera votre sous-question. Dites-moi comment faire. Mais on a vos coordonnées, donc je pourrais analyser là, selon votre adresse pour... vous aider à trouver c'est quoi le meilleur chemin, là, de comme ça, sans avoir une carte sous les yeux. Ça vous intéresse tout le monde, là, de savoir comment monsieur, quel chemin il doit prendre pour se rendre chez eux? Non, c'est une... Il n'y a pas, ça va être le derby des ruelles comme c'est actuellement.
Non, okay, je personne n'a jamais dit ça. Non. Je vais demander à tout le monde dans la salle. On est en assemblée Mais Mme Plourde, du conseil d'arrondissement. Madame Plourde, vous restez juste en ligne droite avec moi. Vous le savez, la problématique de ça. Quand, Juste, on écoute tous les citoyens avec respect. On tente de répondre le mieux possible, le plus honnêtement, avec respect. On s'attend à la même chose de votre part. C'est comme ça que ça marche au conseil d'arrondissement du Plateau. Donc, voilà. Donc, je fais appel à vous. Non, je m'adresse pas à vous. Je m'adresse à d'autres personnes dans la salle. Je m'adresse pas à vous. Mm-hmm. Donc, voilà. Mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a des déviateurs. Vous l'avez souligné vous-même. Ça a quand même aidé la circulation de transit sur la rue Guilford dans les rues locales de ce secteur-là. Dans le cadre du projet Guilford, avec l'arrivée de la rue École sur la Naudière, il fallait en garder un quand même, sinon on réouvre Guilford à la circulation, puis les gens vont l'utiliser pour s'éviter le trafic ailleurs. Et je peux vous garantir que si ce déviateur-là qui s'en vient sur Garnier n'était pas là, la minute où les travaux sur Guilford vont être terminés, cette salle-là, au prochain conseil, va être remplie de citoyens qui vont venir nous dire « Ma rue, la Garnier est une autoroute, il y a beaucoup trop de véhicules ». On avait déjà ce signal-là avant. Et c'est ce que les gens nous demandent le plus, c'est « Pouvez-vous apaiser mon quartier? Pouvez-vous empêcher le transit? » Et c'est ce qu'on fait, vous l'avez dit, on le fait depuis, je ne sais plus, là, j'ai eu le décompte, une douzaine d'années. Et apparemment, la majorité des citoyens l'apprécient et en redemandent. Une augmentation des accidents? Donc, on n'est pas en période d'échange aller-retour. Okay. Vous avez posé votre question, vous avez eu votre question. Mais envoyez-moi un courriel, on continuera la discussion avec plaisir, puis on trouvera le meilleur chemin pour que vous vous rendiez chez vous. Alors, nous avons dépassé, en fait, la période allouée pour les questions du public. Donc, si vous le désirez, nous pouvons prolonger, en fait, la période des questions. Excellent. Donc, prochaine personne, Linda Babin. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Linda Babin. Je représente un groupe qu'on appelle l'Association des résidents de la rue Esplanade qui habite face au parc Jeanne-Mance. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été et qu'il a été plus serein et moins enfumé que celui des résidents et des usagers du parc Jeanne-Mance. Avant de poser ma question, j'aimerais vous demander de faire preuve de compréhension et d'empathie face à ce que nous vivons. Comme mentionné lors de la réunion du Conseil du 4 juin dernier, il y a un problème récurrent du bruit causé par les amplificateurs et de la fumée avec les barbecues au charbon de bois au parc Jeanne-Mance. Suite à cette réunion où nous avions demandé que des affiches soient posées au point d'entrée du parc et qu'il y ait plus de présence policière, puisque quand les gens ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit, bien, ils continuent de le faire, force est de constater que 3 mois plus tard, il n'y a toujours pas d'affiches et il n'y a toujours pas de présence policière pour aider à faire respecter la réglementation de l'arrondissement. Donc, c'est un règlement que vous avez au plateau Mont-Royal qui n'a pas le droit d'avoir des barbecues au charbon de bois et des amplificateurs dans les parcs. Donc, il y a plusieurs résidents qui doivent continuellement fermer leurs fenêtres pour empêcher la fumée d'entrer. C'est un problème pour les personnes âgées, pour les personnes ayant des problèmes de santé comme l'asthme ou des familles qui ont des jeunes enfants ou des bébés. Donc, première question, à quelle date aurons-nous les fameuses affiches afin de préciser ce que les gens n'ont pas le droit de faire? Et quand est-ce qu'on va avoir plus de présence policière? Deuxième question, je vais la poser en même temps. Est-ce que c'est possible de déplacer les tables de pique-nique sur Duluth juste à côté de l'avenue Esplanade? Parce que depuis que ces tables-là sont là, sont carrément sur le coin de la rue, il y a encore plus de barbecue, puis encore plus de party, puis encore plus d'amplificateurs. Voilà, c'est mes deux questions. Les affiches, c'est quelle date? Puis la présence policière, c'est quand? Une date précise. Ça fait 3 mois. Oui. Bonjour. Écoutez, on a travaillé sur des affiches et on nous confirme qu'elles devraient être installées prochainement. Je suis désolée de ne pas vous donner une date exacte, mais le travail est en cours.
C'est la fin de l'été. Sinon, pour ce qui est de la présence policière, donc, notre commandant, M. Harrison Godreau, est là aujourd'hui, donc peut en prendre bonne note pour le suivi avec ses équipes. Puis pour les tables à pique-nique, on va regarder ce qu'il est possible de faire pour voir si on peut les déplacer. Il faut juste les déplacer un petit peu plus vers du parc, là, ça va atténuer une partie du bruit. Ouais. Est-ce que je peux vous rencontrer, monsieur le sergent, parce que j'ai laissé un message à votre poste de police pour dire que tous les lundis, il y a un gig de 7h à 10h avec des amplificateurs. Ils commencent à mettre le son à 6h, ils font des tests. Parfois, c'est des belles chansons, mais parfois, là, ça casse les oreilles. Ce n'est pas toujours heureux. Je vais le voir à la fin des Parfait. Merci. 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 Juste pour la compréhension de tout le monde, évidemment, on salue la présence de l'inspecteur Harrison Godreau à toutes nos séances du conseil d'arrondissement. Évidemment, ce n'est pas les élus qui disent aux policiers quoi faire, mais c'est important pour nous qu'il soit présent. Je pense que c'est important pour lui aussi, c'est pour ça qu'il est toujours avec nous, pour entendre, et à ce moment-là, ils peuvent prendre en considération les enjeux qui sont identifiés par les citoyens pour ajuster les interventions policières. Et nous, on a des rencontres à chaque mois statutaire pour faire le tour des enjeux du plateau, puis on recueille les requêtes des citoyens ou les préoccupations des citoyens pour les partager aussi à l'inspecteur. C'est nos deux canaux de communication. Prochaine personne, Joanne Kepkins. Pardon. Bonjour, je fais aussi partie de ce regroupement de résidents qui habitent en face du parc. En effet, c'est une question similaire, mais c'est basé sur la question de la musique amplifiée dans le parc. En principe, ce qu'on remarque, c'est, en effet, il y a une présence policière. Juste hier soir, on a vu une auto électrique policière qui a passé dans le parc, ce qui m'a surpris encore plus, puisque pendant qu'elle roulait autour du parc, il y avait un DJ avec des tables tournantes, deux haut-parleurs, une génératrice et un canisse de gaz dans le parc, juste à côté de la forêt du parc Mont-Royal. Et j'entendais ça chez nous, dans mon salon. Je montais dans le parc pour découvrir où c'était. C'est assez facile. Des policiers qui roulent en bicyclette ou en auto électrique peuvent facilement entendre l'endroit précis du problème. Ça se fait facilement. Je me suis présenté, j'ai pris des photos, j'ai pris une vidéo. Je peux vous le montrer. Ça ne marche pas très bien ici en public, mais ça démontre qu'il y a 4 personnes. Un DJ, son ami, une personne évanouée, puis une femme toxicomane qui dansait comme une folle. Et pour ça, tous les résidents de la rue doivent subir un son infernal de tac-tac, je ne veux pas le faire sur le micro, chez eux pendant qu'ils dorment. Et ça a duré de 1h de l'après-midi jusqu'à 8h le soir, sans arrêt. Ce n'est pas un tam-tam, c'est de la musique techno que je peux, en passant, aimer aussi, mais pas tout le temps. La question, c'est, est-ce qu'il y a, et je veux préciser aussi, parce qu'au début de COVID, on a vu des policiers essayer d'atténuer une fête qui se passait dans le parc, où ils avaient une alarme, puis de bip-bip de la police, et le recoupement d'enfants ou de jeunes de 20 ans, c'est des adultes, ils ont simplement ignoré la police. Et quand il y a 100 personnes qui entourent un véhicule policière puis ils mettent la musique plus fort, je comprends qu'à un certain point, les policiers ont peut-être peur de créer un problème ou de ne pas être capable de résoudre le problème d'une façon sans impliquer plusieurs centaines de policiers. On n'est plus dans ce mode-là. Maintenant, il y a juste des individus dans le parc. Est-ce que ça serait possible de transmettre l'information aux policiers qui sont là, de suivre le son? C'est très simple. Il y a une page Facebook pour les regroupements des gens qui chantent dans le parc. Des fois, c'est très beau, c'est honnêtement, ça peut être amusant et je participe. Mais le problème, c'est que s'il y a une personne qui amplifie le son, il y a plusieurs d'autres personnes qui vont le faire. Ce n'est pas toujours plaisant. Et si on enlève l'amplification, ça marche. En plus, c'est un règlement municipal qui n'est pas poussé. Donc, ça serait ma question. Merci.
Merci. Donc, je comprends qu'il va y avoir aussi un échange après la période de questions. Et nous, on l'ajoutera dans nos rencontres régulières là, de suivi avec notre poste de quartier. Effectivement, la réglementation sur le bruit du plateau est assez claire, comme celle, peut-être qu'elle est moins connue, par contre, celle sur les barbecues au charbon. Là. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a un enjeu vraiment d'affichage. Là, on m'a envoyé entre-temps qu'on a des enjeux avec le fournisseur, avec des fournisseurs. Donc, il faut juste trouver le fournisseur des pancartes pour aller les installer. Là, mais on est vraiment toujours engagé pour le faire. Oui, c'est ça. Donc, on va trouver une alternative, croyez-moi. Donc, prochaine question. Le prochain sujet a été abordé à trois reprises. Si vous voulez, on peut continuer quand même avec... On va continuer avec les autres sujets, puis à la fin, on reviendra avec les... Parfait. Donc, prochaine personne, Micheline Mongeau. Mongeon, pardon. Bonsoir tout le monde, je suis contente de vous rencontrer. Moi, je suis propriétaire d'un immeuble sur la rue Garnier, un immeuble qui est dans la famille depuis quelques générations. Alors, à l'arrière de l'immeuble, il y a un très beau garage qui a 120 ans, presque une jeunesse, là. Mais pour entrer dans le garage, c'est qu'il faut que la voiture pivote. OK? Il se trouve face à la porte de garage. Mais avec le plan du comité des ruelles vertes, qui travaille, à mon idée, de façon brouillonne, pas tout à fait respectueuse, hein? Ils ont fait circuler, disons, un formulaire numéro 2. OK? Comme par hasard, ma voisine l'avait eu d'un autre voisin. Mais pour faire un sondage, moi, j'ai travaillé plus que 25 ans en santé publique avec des médecins spécialisés en recherche. Ça s'appelle des épidémiologistes. OK? Quand on voulait faire un sondage, ils nous disaient, j'ai travaillé aussi à différents projets de recherche là, sur l'alimentation des enfants, des petits bébés, l'anémie chez les bébés. En tout cas, je ne vous les détaillerai pas toutes, là. Ça a été passionnant. Il fallait avoir un taux de réponse de 80 % pour dire qu'on avait un échantillon représentatif de la population visée. OK? On l'envoie, notre sondage, à 100 % des personnes concernées. On fait des rappels. Premier... Statistiquement, il y en a 50 % qui répondent la première fois. Deuxième rappel, la moitié de ce qui reste, on monte à 75 %. On se réessaye une troisième fois, puis là, le taux monte à chaque fois. Mais le comité du verdissement, pas ça pantoute, hein? Il y a un groupe là, que ça les intéresse, je ne suis pas contre parce que j'adore les plantes, là. OK? J'ai pas besoin de la ruelle, là. J'ai de l'espace entre mon garage et ma maison, là. Il en reste suffisamment. J'ai une belle terrasse aussi. Je fais pas pitié. Je me plains pas. Mais l'accès au garage après 120 ans, ça me ferait de la peine, de la perte. OK? Parce qu'il faut faire pivoter la voiture pour réussir à rentrer dans le garage sans arracher les côtés de la porte qui est pas jeune, là. OK? Mon bon voisin et ami, qui est du côté sud, M. Nadeau, lui, il a un pick-up, OK? Parce qu'il est un infirmier retraité, mais il a une terre à bois en Estrie, OK? Un vieux rêve d'enfance. Je vais vous arriver avec votre question, parce que là, ça fait 3 minutes. Ma question, est-ce qu'on va retrouver une boîte à fleurs devant la porte de M. Nadeau? Ou encore une boîte à fleurs devant ma porte de garage. Parce que ça veut dire où on massacre la boîte à fleurs, hein? Ce qui arrive régulièrement, parce que ce n'est pas nouveau là, d'avoir des boîtes à fleurs. Je pense que vous pouvez vous limiter à votre question parce que vous avez dépassé le 3 minutes. OK. Je m'arrête là pour ce qui est... Bon, je pense qu'on peut vous répondre. Mais ils travaillent d'une façon très brouillonne. Mmh. Puis l'autre question, on a des voisins... Je vous arrête.
Donc, vous avez posé votre première question. Ma collègue Marianne va vous répondre. Puis vous D'accord. allez pouvoir revenir avec une deuxième partie. D'accord. OK? Merci. Parfait, parfait. Bon, merci beaucoup pour votre question. Ça va me permettre de compléter ma question, ma réponse sur les ruelles vertes. Donc, trois choses. Premièrement, en effet, le fardeau de la preuve est inversé dans le sens où c'est vraiment une mobilisation contre le projet qui doit être démontré pour qu'un projet de ruelle verte ne soit pas réalisé, parce qu'on considère que le verdissement et la déminéralisation, c'est quelque chose qui est souhaitable pour le bien commun, pour la collectivité. Et donc, il faut vraiment que ça soit sérieux dans une ruelle, que les gens s'y opposent pour qu'on... C'est bon. Deuxièmement, ça fait 10 ans que je suis élue, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de projets de ruelles vertes. Quand on fait des projets comme ceux-là, d'abord, on ne fait pas des bacs à fleurs, c'est de la déminéralisation. Donc, on enlève l'asphalte et ça crée des plates-bandes. Ce qui fait que si jamais, pour une raison, un mouvement de virage d'un véhicule doit passer dedans si ça a été mal calculé, mais c'est possible de le faire parce qu'il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'obstacle. Okay? Et quand on fait les plans, là, les citoyens, le comité de ruelle verte va déposer à l'arrondissement un plan qui est fait par les citoyens qui ne sont pas des spécialistes, qui ne vont pas aller mesurer avec des bons outils sur le terrain. Une fois que le projet de ruelle verte est accepté, ça, c'est fait par des professionnels de l'arrondissement et il y a une personne qui est dédiée à suivre les projets de ruelle verte dans l'arrondissement. Il s'appelle Samy, il est très compétent. Et il va être là, il va rencontrer les gens dans une assemblée publique, il va rencontrer les personnes sur le terrain. Et à chaque fois, on s'assure que s'il y a un vieux garage, s'il y a un mouvement de virage pour rentrer dans une cour ou un garage qui est nécessaire, bien, on ne fera pas de plate-bande à cet endroit-là. C'est pas l'idée, ce n'est pas de faire de déminéraliser partout puis de faire des plates-bandes à tout prix. C'est d'enlever le plus possible de mètres carrés d'asphalte pour planter. Si les gens n'en veulent pas devant leur cour, devant chez eux, on n'en met pas. On en met chez les voisins qu'ils veulent. Et comme ça, on atteint une déminéralisation intéressante d'une ruelle qui va être bonifiée, qui va être plus belle, qui va être plus sécuritaire. Mais jamais de la vie, on va empêcher une voiture de passer, on va bloquer l'accès à quelqu'un à sa maison. On n'a jamais vu ça. Puis ça s'ajuste. On travaille sur le terrain avec les personnes. Donc, c'est pour ça qu'on estime que c'est des projets qui sont... souhaitable pour plein de raisons environnementales, l'écoulement des eaux, il y en a qui parlaient du pieutage tout à l'heure. Là. Quand on bétonne complètement un terrain autour d'une maison et que l'eau ne peut plus percoler dans le sol, mais c'est ce qui fait que l'argile sèche et que les maisons bougent, entre autres. Et c'est ce qui fait que toute l'eau, au lieu de rentrer dans la terre, se retrouve dans nos canalisations et qu'ailleurs, ben, que les canalisations, quand il pleut trop fort, que ça pète, que ça remonte dans vos toilettes, que ça inonde des sous-sols, et etc. Donc, on a besoin, en termes d'adaptation aux aléas et aux changements climatiques, de déminéraliser le plus possible le sol, la ville. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'opposition soit sérieuse pour qu'on empêche un comité citoyen de le faire. C'est dommage si la relation avec votre comité n'est pas bonne. Le responsable en arrondissement va être là. Vous pourrez l'interpeller. Vous allez être invité. Toutes les adresses reçoivent une invitation à la séance d'information sur le terrain et on s'assure que les projets là, sont à la satisfaction des gens. Voilà. Donc, Merci de l'information. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre garage puis votre voisin qui a un pick-up va pouvoir rentrer son pick-up dans son stationnement. C'était ma préoccupation. Est-ce que je peux rajouter deux, trois mots? Oui. On a des voisins à l'autre bout qui veulent transformer la ruelle en terrain de jeu. Ils mettent, comme M. Belair l'a dit tantôt, là, une chaîne, OK, puis pour que les voitures s'arrêtent. Là, ça me donne mal dans le dos, là, OK? Parce que la rue Garnier, c'est toutes des maisons centenaires. Moi, j'appelle ça le festival du marteau. Tous les étés, il y a quelqu'un qui rénove. Tous les étés, il y a des camions qui viennent livrer du plaque aux plâtres, de tout, là, tout ce que vous pouvez imaginer dans les rénovations. Ces camions-là ont des angles morts. Hein? Je ne vous apprends rien, là. On le sait avec les mortalités pour les cyclistes. Là. OK? Qu'il y a des petits-enfants d'âge préscolaire, là. Je ne parle pas de la maternelle, là, mais ceux qui ne vont pas à l'école, là. OK? Parce que j'ai regardé... Je ne connaissais rien dans les ruelles. Alors, je suis allée sur Google. J'ai vu qu'une
rue, une ruelle et un trottoir sont des voies de circulation. Faire jouer des enfants dans la ruelle, c'est comme leur permettre, à mon idée, de jouer dans la rue. OK? On peut-tu faire quelque chose en attendant qu'il y en ait un qui se fasse écrabouiller puis qui passe sa vie en chaise roulante, là? Donc, je présume que c'est votre deuxième question. Donc, ça va être... Puis je vais vous répondre. Puis après, ça va être terminé. On va passer à quelqu'un d'autre parce qu'il y a comme beaucoup de monde. J'aurais bien des affaires. M'en garder pour une autre fois. Ben oui, vous reviendrez. sympathique. Donc, vous avez parlé des maisons centenaires. Donc, ça doit faire au moins 100 ans que les enfants jouent dans les ruelles de Montréal. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis vraiment longtemps, où on a réussi à cohabiter plus ou moins bien, parfois, des enfants qui jouent dans la ruelle. Puis quand il y a une voiture qui passe, ils se tassent. Puis, je veux dire, les voisins qui habitent là, ils font attention parce que c'est leurs voisins ou c'est leurs enfants. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui est important de renforcer. On veut que les enfants bougent, qu'ils sortent dehors, qu'ils jouent dehors. Puis on partage votre préoccupation parce qu'on veut qu'ils soient en sécurité, mais on veut trouver des bons... je pense que les enfants vont continuer à jouer dans les ruelles, j'espère, pour au moins les 100 prochaines années. À deux pas, là... C'est terminé, madame. J'ai répondu à votre question. Il faut qu'on passe à quelqu'un d'autre. On a les plus beaux terrains de jeu dans le parc La Fontaine. Merci. Je vous en félicite, mes locataires y vont avec leurs enfants. Merci. Prochaine personne, Mathieu Motta. Salut. Salut, je m'appelle Mathieu Motta. J'ai une question à propos de l'usage des barbecues au charbon dans le parc Jeanne-Mance, encore une fois, comme elle a dit ma collègue Linda. Ça fait 35 ans que j'habite sur la rue Esplanade, coin du Lut, et dans les dernières 5 années, il y a eu de plus en plus de monde qui s'installe proche des maisons et qui brûle ses barbecues au charbon à toute heure de la journée. Mon époux et moi venons tout juste d'avoir un bébé et n'arrivons plus à garder une fenêtre ouverte pour aérer notre maison sans recevoir une vague de fumée toxique. De plus, la ville a décidé de fermer la rue du Lut et d'installer des tables à pique-nique à moins de 10 mètres de la maison pour mieux accueillir cette agglomération de personnes. J'aimerais savoir que pourriez-vous faire pour résoudre ce problème. Mm-hmm. Parfait. Et pourquoi la rue du Lut a été fermée à l'avance des projets qu'ils ont envie de dire. Écoutez, effectivement, pour la question du barbecue au charbon de bois, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment une source de nuisances importante. Bien sûr, pour les gens qui vivent juste à côté du parc, mais aussi pour tous les gens qui profitent du parc, c'est désagréable et ce sont des particules fines nocives pour la santé, sans compter en plus que les cendres peuvent inflammer les parcs. Donc, c'est interdit de faire du barbecue au charbon de bois au parc Jeanne-Mance et vous n'êtes pas le premier à constater que, malgré cette interdiction, on voit de plus en plus de gens le faire. Donc, on est en train de travailler sur une campagne de sensibilisation pour rappeler les règles aux utilisateurs. Okay. Et c'est aussi un dossier qu'on va travailler avec le poste de police de quartier pour s'assurer de faire respecter cette réglementation. Donc, merci pour vos témoignages qui nous rappellent effectivement l'importance de ce règlement-là et qu'effectivement, c'est... pas acceptable pour que le plaisir de certaines personnes ait autant de nuisances. Et vous verrez dans certains parcs à Montréal où le barbecue au charbon de bois est encore autorisé, il y a des poubelles spéciales pour les cendres et il y a des extensions spéciales sur les tables, ce qu'on n'a pas du tout dans nos parcs parce qu'on ne veut pas de barbecue au charbon de bois. Ils les mettent plus haut vers parc, pas devant les maisons. Non, c'est ça, mais on n'en veut pas nulle part. Donc mais il faut qu'on refasse cette campagne de sensibilisation. Puis pour la rue du Lut, écoutez, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait dans tous les parcs de l'arrondissement depuis que Projet Montréal est élu. Et ça a toujours été ça a toujours été un grand succès. Donc on continue dans cette voie-là. Mais je comprends parce que. Mais le problème, c'est qu'il y a Avenue des Pins qui n'a pas été finie. Soit ils ont fermé du Lut. Là, tout le monde doit aller à Mont-Royal pour tourner, pour redescendre Saint-Urbain. Puis Mont-Royal, oublie ça, si la lumière, elle tourne verte pour quelqu'un pour tourner à droite, c'est piéton, puis dès que ça devient rouge, c'est rouge, il n'y a plus personne qui tourne à droite. Cela, il faut aller encore plus loin sur Avenue du Parc pour tourner, pour revenir sur Saint-Urbain, pour redescendre.
ça devient problématique. Ça achève. Ouais, donc, ça départ et ouvre au mois de novembre. Ouais, non, on a pris la rue, cette... La rue du Lutte n'a pas besoin d'être fermée tout de suite, jusqu'à temps que moi, Avenue des Pins soit finie, parce que ça prend 100 ans, là, on comprend. Là. Mm-hmm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Puis là, au moins, s'ils auraient fermé ça juste après, là, on aurait pu prendre l'Avenue des Pins pour monter Saint-Laurent. C'est ça. Ouais, bon. Donc, on revient en fait pour la règle sur la question de charbon de bois, on vous a répondu. Pour la table de pique-nique sur l'esplanade, ça a déjà été posé précédemment. On va regarder voir si c'est possible de la déplacer. Juste pour repousser tout vers parc. Donc, on va regarder comment on peut faire les ajustements. C'est le principe même là, de l'urbanisme transitoire. On essaie des choses. C'est pas fait en dur, c'est pas coulé dans le béton. Donc, on est capable de faire les ajustements suite aux commentaires des citoyens. Puis pour l'avenue des Pins est presque terminée. Ça va être vraiment magnifique. Donc, on est dans les dernières semaines. Ouais, et l'avenue Mont-Royal n'est pas piétonne entre Saint-Laurent et l'avenue du Parc. C'est bon. Okay, merci. Merci. Prochaine personne, Nathalie Théocaridé. Un, deux. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames, messieurs. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un sujet dont on n'a pas encore parlé. Je crois qu'il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé. Je crois qu'il était temps d'en parler après toutes ces histoires de circulation, de voitures, de ruelles. Pas que je n'ai pas mes propres problèmes avec ça aussi. J'habite le plateau. Mais je vais vous parler d'autre chose. Et je vais vous parler du centre culturel Calixa-la-Vallée et donc de culture. En effet, l'arrondissement est au courant depuis la mi-juin que l'organisme Art9, qui animait et occupait le centre depuis près de 40 ans, était en grande difficulté, notamment financière. Les usagers se sont subitement retrouvés devant des portes closes, sans avertissement, ni explication, ni de la part de l'organisme, ni de la part de l'arrondissement. Près de 3 mois se sont écoulés et la situation perdure, malgré une intervention aussi le 4 juillet au conseil d'arrondissement. Donc, la situation perdure depuis 3 mois. Or, comme vous savez, le centre abrite notamment la salle de spectacle Paul Buissonneau, une salle unique à Montréal et le lieu par excellence où se produit, entre autres, un grand nombre de troupes de théâtre amateurs, ainsi que d'autres artistes et des arts vivants. Année après année, ces troupes réservent différentes dates pour leur saison et comblent une grande partie du calendrier de la salle Paul Buissonneau. Mais voici que la fermeture de la salle et le manque d'informations quant à son avenir mettent en péril leur saison et leur survie. Je le répète, cette salle est unique par sa capacité, ses dimensions, pas trop grandes parce qu'on n'a pas un public de 500 personnes, son équipement, sa localisation et son accessibilité financière, qui est quand même très important pour une troupe amateur. À vrai dire, je ne lui connais pas d'équivalent. Est tout simplement essentiel au théâtre amateur. Et qu'est-ce que le théâtre amateur? Bien, je vais vous le dire. C'est un art, c'est un loisir, mais c'est surtout une passion qui réunit des centaines de personnes de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les origines. C'est un réseau social tissé de camaraderie, de débrouillardise, de créativité et d'émotion. Donc, il y a beaucoup de monde là-dedans, c'est ce que j'essaie de vous dire, pour qui c'est essentiel. Ils font leur job dans le jour, mais le soir, ils mangent du théâtre, ils vivent du théâtre, et puis ça fait des années. Alors, ma question est la suivante. C'est quoi votre plan B pour le centre Calixa-la-Vallée? Parce qu'on sait qu'Art9 ne reviendra pas, puis on le sait depuis un petit bout. Et notamment pour la salle Paul Buissonneau, dont le calendrier 2023-2024 était déjà pratiquement rempli par des troupes et des artistes qui, depuis près de 40 ans, je le rappelle, comptent sur elle pour créer, s'exprimer et partager leur amour de la culture. Personne souhaitait que Art9 se retrouve dans la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Art9 a été mis très à mal avec la pandémie. Voilà. Donc, nous, on s'est retrouvés, à la mi-juin, à apprendre que Art9 avait des difficultés. Il y a eu une rencontre. Art9 a cherché très longtemps des solutions avec leur conseil d'administration, etc., pour nous dire à la fin du mois d'août, tout récemment, que ce n'était pas possible et qu'il faisait faillite. Art9, c'est notre organisme partenaire. On avait une entente avec Art9 qu'ils assuraient les services qui permettaient d'ouvrir la salle Paul Buissonneau. Et là, on n'a plus ce partenaire-là. Et ce n'est pas possible pour nous de retrouver un autre Art9 du jour au lendemain. Parce que, comme on a vu, c'est toute une responsabilité que de gérer une salle comme ça. Donc,
on aurait voulu qu'il n'y ait pas de rupture de service, mais il est où l'organisme qui vous dit, ben OK, moi, je le prends à pied levé. C'est, vous le savez, c'est, elle est là, la difficulté. C'est que le culturel, puis en plus de ça, le culturel bénévole, amateur, ben. Je vais juste me permettre de compléter. En fait, oui, on savait qu'Arneuf était en difficulté. On savait qu'Arneuf était en difficulté, mais on ne savait pas qu'Arneuf allait cesser ses activités. Ça fait pas longtemps qu'on le sait. Ça fait quelques jours. J'ai assisté à l'appel. Oui. Je faisais partie du conseil d'administration jusqu'en novembre dernier. J'étais à l'appel où Mme Lynn Olivier, au mois de juillet, a suggéré à Arneuf pourquoi vous ne faites pas faillite en voyant les chiffres. Oui, Madame Parent, vous étiez là aussi sur cet appel. Mais je comprends que ça peut être une hypothèse, puis que ça peut être quelque chose qui s'en vient, puis qu'on voit que ça va possiblement arriver. Entre ça, puis avoir une alternative, hein, d'avoir un organisme qui est capable de s'occuper puis de gérer les lieux, c'est ça le défi. Donc nous, je vous dis, parce qu'on en a parlé récemment avec la directrice d'arrondissement, donc moi, mon attente, c'est qu'on ait une solution le plus rapidement possible pour que la salle redevienne accessible pour les artistes. C'est ça qu'on veut. C'est merveilleux. Donc on est vraiment là-dessus, puis quitte à ce que ce soit une solution intérimaire, là, en attendant d'avoir la solution plus permanente, il faut que le lieu soit accessible. Donc, on cherche ça. Ben, c'est parfait. Oui. J'abonde dans votre sens, monsieur le maire et madame. Je vous propose justement cette solution. Organisme bénévole. Alors voilà, je suis ici pour déposer le projet élaboré par des gens du milieu théâtral qui connaissent très bien la salle, qui sont prêts à la gérer et assurer la continuité de sa mission. Étant donné l'urgence de la situation, par contre, si on ne veut pas perdre un achalandage qui a pris des dizaines d'années à se constituer et qui se remet à peine des contre-coups de la pandémie, comme vous l'avez signalé, ni mettre en péril la saison des différentes troupes et organismes qui ont coutume de se produire à Calixa-la-Vallée, j'aimerais obtenir de vous, nos élus, l'assurance que le projet, ce projet que je vais vous remettre, là, une ébauche, c'est un début, hein, je n'allais pas vous noyer dans les documents, c'est un two-pager, pas un one-pager, en tout cas. L'assurance que ce projet sera examiné et considéré avec toute la célérité et l'importance que les quelques 300 membres de la coalition citoyenne pour sauver le centre Calixa-la-Vallée et sa mission sont en droit d'attendre de vous. Oui, tout à fait. Je vous l'assure, je veux dire, on est à la recherche de solutions le plus rapidement possible parce qu'on veut que la salle soit disponible pour les artistes. Donc, vous pouvez déposer le document. Donc, déposez-le, comme ça, on va l'avoir. Ouais. OK. Mais aussi, c'est important que le greffe... Je veux juste être clair, là. Je ne vous dis pas qu'on va accepter votre projet. Non. Puis, ce n'est pas ce que vous nous avez demandé. On va l'analyser parce qu'on cherche une solution, puis peut-être que vous... Peut-être. Non, tout à fait. On cherche une solution pour la salle à court terme. Parfait, merci. Prochaine question. Prochaine personne, pardon. Philippe Couture. Bonjour tout le monde. Bonjour les élus. Ma question concerne le projet d'aménagement du tronçon de Lanaudière et Garnier. La vie est faite de compromis, surtout dans le plateau Mont-Royal. Depuis des années, nous en faisons pour atténuer la circulation automobile dans le quartier. Souvent, nous avons vu la vitesse diminuer, et ce, pour accepter quelques petits détours. Par contre, ce projet est celui de trop. Combien d'automobilistes enragés verrons-nous dans nos ruelles, de personnes derrière leur volant, prêtes à tout pour trouver le chemin le plus rapide, quitte à circuler dans les petites rues à des vitesses excessives, menant à des accidents parfois dramatiques. Bref, il y aura toujours des automobilistes, car ce n'est pas tout le monde qui est suffisamment actif pour le transport actif. L'objectif n'est pas de pénaliser les résidents du quartier qui savent faire ces compromis. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ont comme valeur leur empreinte écologique. Je ne crois pas qu'un détour de plus d'une demi-heure diminuera l'empreinte carbone des résidents du coin. Une autre de mes valeurs, et que je crois aussi la vôtre, est la rétention des familles dans le quartier. Moi-même, père de 3 enfants, je tente de limiter l'utilisation de mon véhicule, mais il est souvent nécessaire de l'utiliser. Afin d'éviter de voir ces familles quitter, il faut savoir les accommoder. C'est le moment où la Ville doit faire sa part de compromis, car dans le cas de ce projet, l'enfer pour les résidents
et semée de vos bonnes intentions. Vous parlez de consultation? Nous avons appris le tout de bouche à oreille, de voisin en voisin, sans jamais avoir reçu une lettre. Ma question, qu'allez-vous faire pour ne pas enfermer les résidents des rues Lanaudière et Garnier au sud de Guilford et leur éviter des dizaines de minutes de détours énergivores et anxiogènes? Merci pour votre question. Quand on planifie, d'abord, ce n'est pas nous qui le faisons, là, c'est des professionnels de la circulation. Donc, on s'assure qu'il y a toujours un accès à toutes les rues, à toutes les résidences. Comme à chaque fois qu'il y a des mesures d'apaisement ou de redirection de la circulation pour empêcher la circulation de transit, d'utiliser les rues locales, les petites rues. Dans ces cas-là, il y a certaines rues, il y a certains résidents locaux qui, effectivement, vont être obligés pour accéder à leur résidence de faire un parcours un peu plus grand. Mais c'est une minorité de gens par rapport à la quantité de véhicules à qui on retire la possibilité de traverser les quartiers et donc la qualité de vie des gens qui habitent là. Même si la fois le plus rare possible où ils utilisent leur voiture, ça va leur prendre plus longtemps, la qualité de vie, toute cette circulation-là de transit qui n'arrive pas dans votre rue, mais vous en bénéficiez, vos enfants en bénéficient, tout le monde en bénéficie. Donc, le rapport entre le compromis qu'on vous demande de faire ou qu'on vous demande collectivement de faire, les gens... Et on rappelle que 50 % des ménages au plateau ne possèdent pas d'auto, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui habitent votre rue qui n'ont pas d'auto et qui n'ont pas à faire ce parcours-là. Donc, cet ajout-là, là, si vous voulez, de GES ou de circulation, il est minime par rapport à celui qu'on va éviter au quartier. Donc, c'est ça le calcul. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que ces quartiers-là, puis c'est pas en fait, nous, on le veut parce qu'on se le fait demander par la population. S'il vous plaît, empêchez ma rue d'être l'autoroute qui fait qu'au lieu de prendre Papineau, on peut prendre Garnier jusqu'à Rachel puis s'éviter du trafic. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces aménagements-là et qu'on l'a toujours fait. Ça fonctionne, c'est irritant, mais quand on y vit, ben, on finit par voir le bénéfice, autant pour soi que pour le collectif par rapport au compromis qu'on doit faire. Donc, c'est ça l'approche, c'est ça le calcul. Voilà. Donc, vous avez dit beaucoup de choses. L'une des premières, c'est que 50 % des résidents n'ont pas de voiture, ce qui fait en sorte que 50 % des résidents en ont une. Ces résidents-là, j'imagine que ce ne sont pas les jeunes étudiants ou encore les gens sans enfants. Toutes sortes de raisons. J'imagine sûr, vous allez retrouver la grande majorité de ces 50 %-là avec une famille. Ensuite, vous avez mentionné les petits irritants. À écouter l'ensemble de mes concitoyens ce soir, de toute évidence, le problème de ma rue actuelle qui me dérange moi, bien, c'est le même problème que monsieur, que madame. Et dans le fond, ce que vous faites depuis plusieurs années, c'est de déplacer les problèmes d'un endroit à un autre, en attendant que des gens comme moi et comme mes concitoyens viennent vous voir pour vous dire que ça n'a aucun sens de devoir faire un détour de 30 minutes de temps quand, normalement, ça m'en prend une ou deux. Ces petits irritants-là, ils vont justement à l'encontre d'un grand projet de société que vous nommez dans vos campagnes politiques, qui est d'éviter l'étalement urbain, d'éviter ces choses-là. Vous faites payer les résidents du quartier. Qu'est-ce qu'ils font, les résidents du quartier? Ils quittent. Et force est de constater que c'est la chose, parce qu'à Montréal, d'année en année, il y a plus de résidents qui quittent. Et ces résidents-là... Vous êtes en sous-question, pas, hein, normalement, oui, c'est très rapide, c'est direct. Ce ne sont pas... Des jeunes étudiants. Je vais vous demander d'aller directement à la question. Donc, comment est-ce que vous pourriez faire plus intelligemment ces déplacements et ces changements de rue de sens unique? Comment est-ce que vous pourriez prendre plus de temps pour consulter les gens et faire en sorte que le problème ne soit pas jeté dans la cour du voisin? Merci. Merci de votre intervention. En fait, on prend, comme ma collègue l'a bien expliqué, on prend en compte un ensemble d'enjeux et le critère absolu qu'on a, c'est la sécurité. Donc, on veut s'assurer que la sécurité des gens, donc c'est pour ça qu'on, et particulièrement des enfants, c'est pour ça qu'on tente de réduire le volume de circulation sur les rues locales. Donc, c'est pas juste avec des dos d'âne. Les dos d'âne, ça réduit pas le nombre de voitures, ça réduit leur vitesse
entre deux dos d'âne, à l'amorce des dos d'âne, pas entre deux dos d'âne. Donc, on a toute une série d'interventions qu'on fait depuis de nombreuses années que les citoyens nous demandent, pas ceux qui sont ici nécessairement ce soir, mais que les citoyens nous demandent constamment, qu'ils nous écrivent et qui votent pour ça. Je veux dire, nous, on soumet notre proposition politique au vote des citoyens lors des élections et après 4 mois des élections et après 4 mandats, on ne peut pas penser que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Hein? Donc, nous, on travaille systématiquement pour apaiser la circulation dans nos rues, pour verdir nos espaces publics, pour les rendre conviviaux. Et la principale raison pourquoi les familles quittent Montréal, c'est parce que c'est trop cher, le logement. C'est ça la principale raison. Ben oui. Je peux rajouter quelque chose rapidement. Là. L'équation famille, voiture, elle n'est pas toujours vraie. Il y a beaucoup de gens qui élèvent des enfants sans posséder de voiture. C'est justement pour ça qu'on habite des quartiers centraux. C'est parce qu'on peut tout faire à pied. Je pense qu'il y a certainement autant, sinon plus, de familles qui quittent la ville parce qu'ils n'apprécient pas la circulation et la présence de voitures partout que le fait d'avoir une difficulté de se rendre chez eux en voiture. Donc, il y a beaucoup d'arguments là, qu'on peut amener, mais le fait est qu'il y a trop de voitures qui circulent et que si ça prend une demi-heure, vous rentrez chez vous, c'est probablement pas juste à cause du détour, mais parce qu'il y a beaucoup trop de voitures sur la route et que c'est congestionné. Donc, il faut, à un moment donné, intervenir là-dessus aussi. Voilà. Prochaine personne, Leonardo Nieto. Bonjour, je me présente, je vais faire ça très rapidement. Je m'appelle Leonardo, on se connaît déjà avec Alec Norris. Je suis aussi le fondateur de l'Association des commerçants de la rue Prince-Arthur. Je pense qu'à travers 10 ans, on a achevé beaucoup, beaucoup de belles choses à travers des difficultés. Et il y a 2 questions très importantes. C'est juste qu'il y a eu des changements sur la rue. Beaucoup de graffitis sont pas enlevés, beaucoup de poubelles ont été enlevées de la rue. Et ça crée plusieurs problèmes, pas seulement pour les commerçants, mais aussi pour les voisinages. Je me demandais si c'était possible de remettre, disons, le système comme on l'avait avant, parce qu'il y a beaucoup plus de circulation. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent, disons, de l'état de la rue. En tant que commerçant, on essaie de nettoyer le plus possible. Mais évidemment, on a une limitation aussi avec nos ressources. Et la deuxième question, c'est, évidemment, je ne suis plus le président de cette association, mais j'aimerais rétablir des contacts avec les cabinets présents et pour pouvoir, encore une fois, trouver des manières de travailler ensemble. Parce que, bien sûr, la perspective d'un businessman n'est pas nécessairement celle du cabinet et de la ville, et surtout pas celle des gens qui habitent au quartier. Mais j'ai toujours essayé de trouver un point en commun où on fait tous partie de la même société. Ce sont ces 2 questions. Et la dernière, c'est juste par rapport à la sécurité, et peut-être c'est juste avec le chef de police. Parce que la nuit, il y a des fois, les gens sont rentrés dans mon restaurant, pas seulement les miens, mais d'autres établissements. Et il y a beaucoup de violence des fois. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'itinérance. Je comprends aussi que la question de l'itinérance est un enjeu social. Je ne veux pas non plus antagoniser ces gens qui sont aussi dans une situation très, très précaire. Mais c'est quelque chose qui affecte les familles, ou les résidents qui sont à la rue et aussi les commerçants. Et je suis une minute pour laisser répondre. Bien. Oui, bonjour, mais écoutez, je suis très contente de vous voir au conseil d'arrondissement ce soir. C'est sûr qu'on a beaucoup de sociétés de développement commercial et d'associations de commerçants très actives, notamment la rue du Lutte s'est beaucoup démarquée récemment, là, en allant piétoniser la rue. Puis, moi, j'avais travaillé sur le dossier de la rue Prince-Arthur il y a quelques années, mais il y avait une très faible mobilisation. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de changements, justement, au niveau de la présidence. Donc, ouais. On n'avait plus trop d'interlocuteurs. Ouais. Et je vous avoue qu'on n'entendait plus trop parler de la rue Prince-Arthur. Donc, je suis très contente de savoir que le regroupement est toujours actif. Puis, ça me fera plaisir
de vous rencontrer là et de pouvoir un peu poursuivre la conversation parce que c'est toujours important, là, les regroupements, vous parlez d'une même voix, vous constatez des enjeux similaires, etc. Donc, je vous invite à me contacter, puis on pourrait se rencontrer. Pour ce qui est des poubelles et des graffitis, ça, on peut faire le suivi avec nos services qui prennent bonne note de ce que vous dites. Et l'itinérance, comme vous dites, effectivement, c'est un problème très, très vaste. Nous, ce qu'on fait en arrondissement, on a la chance d'avoir des organismes communautaires qui soutiennent beaucoup les personnes en situation d'itinérance, notamment plein milieu. On pourra peut-être, je pourrais vous faire un portrait un peu plus complet des ressources qui existent. Plein milieu qui a vraiment une approche plus de soutien et qui peut aider. Et au niveau de la ville, avec le gouvernement du Québec, bien sûr, on travaille à ouvrir des nouvelles ressources régulièrement. On en parle au conseil d'arrondissement. Mais je vous invite, oui, à continuer la conversation plus en profondeur sur. Parfait. Juste pour être clair, alors c'est avec vous, Maëva Villain. Ouais. Et pas avec la. Oui. Non, mais il m'a fait plaisir aussi. De vous oui, non, de toute façon, c'est juste pour savoir, parce que chacun a son camp. Donc, c'est les deux conseillers du district. Parfait. C'était juste pour être sûr, et aussi comme pour donner ma face. On va refaire cette présidence, mais on peut changer, avoir cette conversation pas ici. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine personne, Christopher Blackburn. Bonjour. Donc, je me présente, Chris Blackburn. Je suis ici en tant que résident de l'avenue d'Hôtel de Ville, intersection Prince-Arthur. Donc, je suis ici pour répéter un peu les mêmes points que mon confrère de l'association, auparavant de l'Association des commerçants, mais vraiment d'une perspective d'un résident du coin. Donc, quand je parle de la proximité de l'avenue de Prince-Arthur, moi, je pense vraiment de Saint-Laurent à Laval, entre Sherbrooke et Despins. Donc, toutes les petites rues résidentielles qui sont en lien avec Prince-Arthur, comme mon ami l'a constaté, on a vraiment, également les résidents, constaté une détérioration récemment au niveau de la propreté et la sécurité en lien avec la rue Prince-Arthur. Depuis que les poubelles ont été enlevées de la rue Prince-Arthur, déjà on aimerait savoir pourquoi on n'a plus de poubelles publiques. Il y a une accumulation constante de sacs d'ordures sur les coins. Et en conséquence des rongeurs qui cherchent de la nourriture, les ordures finissent partout sur nos rues, devant nos maisons, sur nos terrasses. Le graffiti commence vraiment à prendre une place importante, non seulement sur le mur des commerçants, mais également sur les façades des résidences privées. Au niveau de la sécurité, on a aussi constaté une accélération des vols de véhicules sur nos rues. Les dommages, non seulement sur nos véhicules, les vitres cassées, mais aussi sur les vitres des commerçants dans le coin. Ça semble se passer de plus en plus. Donc, on aimerait savoir quelles actions sont déjà en cours, peut-être pour répondre aux enjeux qu'on trouve au niveau de la propreté et de la sécurité dans notre coin. Déjà, est-ce qu'on pourrait savoir aussi pourquoi les poubelles ont été retirées? Et sinon, finalement, comment est-ce que nous, en tant que citoyens résidents du quartier, en lien avec les commerçants, pouvons travailler avec vous, la ville, pour trouver des réponses à ces enjeux? Je vais juste commencer. Dans le fond, d'avoir un canal de communication avec vos élus locaux, ça peut être vraiment utile. Comme ça, vous êtes capable de partager vos préoccupations, puis on peut voir comment on fait le suivi. Si vous êtes témoin une journée en particulier où les poubelles débordent, je vous invite vraiment à le signaler au 311, parce que c'est comme ça qu'on gère les demandes dans les services. Nous, on ne gère pas les services. Hein. On a des équipes, on a des gestionnaires qui font ça. Donc, eux, ils reçoivent les demandes. Puis à ce moment-là, ils peuvent envoyer des équipes précisément là où il y a des interventions ponctuelles à faire. C'est toujours le moyen le plus efficace. Et si, quand vous signalez une situation, il n'y a pas d'intervention satisfaisante, bien là, vous pouvez relancer vos élus pour être sûr qu'eux puissent faire le suivi, idéalement en nous donnant le numéro de requête. Là, ça nous aide, nous, à s'assurer que le suivi est fait. Mais sur la sécurité, peut-être que vous pourrez aussi discuter un peu plus tard avec l'inspecteur Harrison Gaudreau là, pour voir plus s'il y a des situations particulières. Mais je pense que l'SPVM fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que quand il y a des signalements répétés, bien, à un moment donné, ils sont capables de se dire qu'il y a un enjeu peut-être problématique à une situation. Là. C'est la même chose pour nous avec le 3-1. C'est à un moment donné, on cumule les demandes et on se dit « OK, il se passe quelque chose. » Donc ça aide. Je vais juste terminer. Sur la question de propreté, on va vérifier cette information-là. Là. Quand les poubelles ont été retirées, pourquoi et si on peut les remettre. Notre directeur des travaux publics est ici, donc il vous entend et on va faire le suivi avec vous là-dessus. Et je pense que ça fait le tour de
Pour le graffiti aussi, oui. C'est le 3. Hein. On a vraiment une procédure parce que vous savez qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, la façon dont ça se passe, c'est vraiment appeler le 3-1. Puis ensuite, tout est... Ce qui se passe, c'est qu'il faut la validation du propriétaire. Oui, au moins pour les résidents, on se connaît quand même pas mal tous les propriétaires. Okay. Ça devrait être facile. Bon, bah, si vous on donnez... va au niveau des commerces, on va juste avoir à cogner à leur porte pour qu'ils signent. Donc, la procédure, vous appelez le 3-1, vous déposez une demande. C'est reçu par l'arrondissement. L'arrondissement communique avec le propriétaire pour avoir l'autorisation. Et ensuite, notre équipe de nettoyage passe. Par ordre d'arriver au 3-1. Donc, oui. Ça peut prendre du temps. Et par ordre, par intervention par secteur. Donc, on s'arrange pour dire qu'on a 3-4 à faire dans un secteur. Là, ça vaut la peine d'envoyer une équipe. Donc, ça se peut que ce ne soit pas dans les 24 heures. Là. Je veux juste gérer vos attentes. Mais on intervient. Puis juste à titre d'information, l'année dernière, en tout cas, il y a 2 ans, on avait adopté un budget exceptionnel de 400 000 $ pour les graffitis. C'est énorme, 400 000 $ L'année dernière, on était rendu à 700 000. Donc, il y a vraiment un fléau auquel on est confronté. Il y en a depuis la pandémie, là, ça a vraiment explosé. Il y en a de plus en plus. Puis, à un moment donné, c'est vraiment difficile d'arriver à... On sait qu'il ne faut pas laisser détériorer les situations. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Mais on est rendu à 700 000 $ de votre argent là, qu'on utilise pour aller nettoyer des méfaits. C'est très préoccupant. Mais juste que je sache qu'on est préoccupé de ça, puis on fait vraiment tous les efforts qu'on peut pour essayer de nettoyer le plus possible au fur et à mesure. Super. Et question rapide de suivi. Au niveau de la sécurité qu'on parlait, la sécurité la nuit, c'est qu'il y a certains éléments qu'on pourrait communiquer avec la SPVM. Mais si on parle de la luminosité de la rue, qui est quand même une rue passante le soir entre Saint-Laurent et le métro Sherbrooke, qu'il y a des endroits où il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, à qui on signalerait ça? Également, les problèmes d'itinérance, que des fois, ça serait mieux de se tourner vers des communautés. Je pense que ce que je pourrais vous conseiller, là, le mieux, c'est d'avoir une rencontre avec vos conseillers puis faire le tour des enjeux, puis on pourra voir comment parce que c'est sûr que les trucs d'éclairage, etc., c'est vraiment nous là, qui pouvons intervenir là-dessus. Parfois, le SPVM peut nous faire des recommandations aussi dans ce sens-là. Super. Merci beaucoup. Merci. Il y a une application qui est utile aussi. Tout à fait. Oui, donc il y a appelé au 3-1, mais si vous avez l'application, c'est vraiment rapide. Je suis rendu pas mal expert dans l'utilisation. Prochaine personne, Timoléon McCall. Bonjour le conseil, j'aimerais vous parler de la situation des skateparks au plateau Mont-Royal. Donc ils sont super, il y en a plusieurs. Par contre, bien sûr le rêve ça serait d'en avoir en grand comme à La Salle qui vient récemment d'être construit. Ça c'est vraiment super, mais bien sûr ça prend de l'argent et du temps pour construire ce genre d'affaires. Mais pour plutôt complimenter le nombre de skateparks qu'on a maintenant, je suggère d'ajouter peut-être au parc La Fontaine en 2001 pour... faire de la planche à roulettes et de la trottinette. Alors, en anglais, ça s'appelle un quarter pipe. C'est juste, en fait, ça descend puis ça monte de même. Puis il n'y en a pas au plateau. Mm-hmm. Les deux seuls que je connais sont celui à La Salle et qui est loin, et celui au Taz qui coûte 14 $ pour utiliser. Donc, ça serait utile d'en avoir un proche au plateau. Et aussi, s'ils sont construits en bois, ça coûte vraiment pas cher. C'est 1000 $, puis ils sont durables. Ils durent une dizaine d'années ou quelque chose. Et donc ça pourrait être vraiment utile pour la communauté, avoir des jeunes en troisième espace puis tout ça. Ouais. Mais merci beaucoup pour la question. Je vais vous poser une question parce que vous savez qu'au parc La Fontaine, on a un aménagement qu'on fait avec Jam Court. Donc Jam Court, c'est notre skatepark intérieur qui est fantastique, qui est assez peu connu là, mais ça vaut vraiment la peine. On peut y aller la fin de semaine, c'est ouvert à tous. Donc, on a un partenariat avec eux. Je pense qu'on en est rendu à la 3e année. On leur donne une contribution financière pour qu'ils installent des modules de skate. Et ils font aussi des sessions d'inclusion pour des communautés qu'on voit moins souvent dans les skateparks. Donc, peut-être juste me dire, c'est quoi votre point de vue général? Mais on pourrait aussi continuer la conversation en privé par la suite. Ouais, ben, ce qui est au Parc La Fontaine, déjà, c'est super. Mais vraiment, une 2001, ça complimenterait. C'est un peu différent, c'est pour ajouter sur ce qu'il y a déjà là. Ouais.
Parfait. Je le prends en note. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochaines années. Puis n'hésitez pas quand vous avez des demandes particulières comme ça. Okay. Merci. Merci. Est-ce que je peux rajouter un petit mot, Monsieur le maire? Juste vous mentionner, mon micro marche. Juste vous mentionner, la Duc a vu le jour comme ça. Un citoyen s'est présenté au conseil d'arrondissement puis nous a dit, qu'est-ce que vous faites pour les communautés du skatepark? Alors, c'est un premier pas fort intéressant qui ouvre la discussion et je vous remercie d'être venu nous parler aujourd'hui. Prochaine personne, Thomas Cardinal Sirois. Bonjour. Donc, je vais juste commencer en disant merci pour tout le travail que vous faites, puis toutes les améliorations pour la vie dans le plateau qui devient de mieux en mieux chaque année. Moi, si j'ai une demande très précise, j'ai ouvert un dossier au 3-1 en hiver, l'hiver passé, en fait, pour essayer de faire installer un panneau stop au coin de la rue Marianne et Hôtel de Ville. Donc, Marianne qui est en pente, en fait. Il n'y a pas de panneau stop pour qu'on descende Marianne. Donc, je me disais, il y a plusieurs raisons, en fait, pourquoi je pense que ce serait une bonne idée. Donc, un, il y a une école primaire à proximité, l'école primaire Arc-en-Ciel, donc beaucoup d'enfants qui transitent par là. Deux, il y a des saillies qui aident déjà à réduire la vitesse, mais en même temps, ça rend un peu le trajet comme un genre de Mario Kart en vraie vie. Même moi, quand je conduis là, ça me donne envie d'aller un peu plus vite. Donc, le monde arrive vite, il y a une école. Et en plus, la façon dont, dont les buildings sont construits, ça crée un certain angle mort qu'on arrive sur Hôtel de Ville pour garder les autos qui descendent rapidement sur Marianne. Donc, ça, j'ai fait une demande au 3-1. Et là, ça fait plusieurs mois que c'est à l'étude. Enfin, on me dit, et on me conseille de venir ici pour vous partager mon souhait, parce que je pense que ça pourrait vraiment aider à réduire la circulation et surtout à éviter qu'il y ait des accidents dans le futur. Donc, je me demandais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une procédure pour faire? Est-ce que, en ce moment, c'est la bonne procédure que je suis? Je ne sais pas. Bien, merci pour cette question. C'est pertinent. Faire des demandes au 3-1, c'est la bonne procédure. Une fois que c'est fait, là, éventuellement, là, la demande rentre dans une file de plusieurs demandes et elle est analysée par les spécialistes en circulation. Il y a souvent des demandes pour des stops parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un bon outil pour la sécurité ou pour apaiser la circulation, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un petit peu un... Ouais, le monde qui s'habitue puis là, qui continue. Bien, on s'habitue, on ne le fait pas. Ça peut créer un faux sentiment de sécurité aussi. Quand un ingénieur signe la décision de mettre un panneau de stop, c'est vraiment parce qu'il y a un flot de circulation à gérer. Ça veut dire qu'il y a assez d'autos, il y a un débit assez élevé, puis tu sais, il y a des comptages... Il y a des normes là, qui l'indiquent pour dire il y a assez de circulation là pour demander à tout le monde ou à une des directions d'arrêter. Mais si ce n'est pas le cas, mais les gens qui circulent en auto, ils vont s'en rendre compte qu'ils s'arrêtent et qu'il n'y a jamais d'autres chars qui attendent. Fait qu'ils ne feront plus le stop puis ça va créer un faux sentiment de sécurité aux gens qui s'en viennent dans l'autre sens puis qui se disent il y a un stop, je continue. Donc, c'est pour ça qu'on n'ajoute pas des stops partout juste pour ralentir les gens parce qu'après ça, ils ne sont plus utiles puis c'est comme un peu crier au loup. Tu sais, à chaque fois, à un moment donné, on n'y croit plus. Donc, potentiellement, c'est ce qui a pu se passer avec votre demande, c'est de dire, on n'en mettra pas un là parce qu'il n'y a pas assez de circulation dans l'autre sens, ni même sur Marianne, je ne sais pas. Mais comme vous avez posé votre question, on conseille, dans notre prochaine rencontre là, mensuelle qu'on a avec les gens des études techniques, ils vont nous donner la réponse plus précise. Et à ce moment-là, moi ou quelqu'un de un nouveau élu pourra vous l'envoyer là. Voilà, c'est pour ça. Ah, wow, super, merci beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine que je laisse un numéro de dossier, peut-être, pour oui, que vous ayez mes coordonnées? Oui, absolument. Donc, quand vous êtes prête. Vous pouvez nous l'emailer, ce serait la meilleure option. OK, je peux faire ça aussi, oui. Donc, merci à vous deux. À moi, OK, à vous, OK, parfait. Oui. Super, merci beaucoup. Merci. Prochaine personne, Christian Séguin, qui ne veut pas être filmé. Bonsoir. Moi, ma question initialement était spécifique. Maintenant, je vais la faire générale. On vit dans une période où les changements climatiques entraînent une hausse constante des températures. Ça n'ira vraisemblablement pas en s'améliorant. Puis les îlots de fraîcheur seront donc de plus en plus importants pour limiter l'effet de la hausse de température au printemps, en été, puis ça va aller probablement même en automne. Vous avez plusieurs d'entre vous, M. Rabouin, Mme Gigard, vous avez parlé beaucoup de verdissement, de déminéralisation, puis tout ça.
Moi, j'aimerais savoir dans votre vision de parti qui se dit faire attention au changement climatique, en quoi l'éradication d'un bel espace vert qui fonctionne bien de mars à septembre, qui permet justement de créer un bel îlot de chaleur, va être une amélioration pour les citoyens s'il est transformé en un vaste espace de béton. Je n'ai pas besoin de vous dire exactement de quoi je parle non plus. Mm-hmm. Mais j'en parle d'une vision globale. Tout à fait. D'ailleurs, on subit les changements climatiques. Les chaleurs extrêmes qu'on vit aujourd'hui nous démontrent à quel point les gens ont aussi besoin de se rafraîchir et comment nos piscines sont appréciées et absolument nécessaires. Donc, ça fait partie de notre vision d'ensemble. Et on a besoin d'une deuxième piscine publique et on va avoir une deuxième piscine publique, si c'est ça le fond de votre question. C'est en partie. Puis ma deuxième sous-question, pas ma deuxième sous-question, mais ma sous-question, par rapport justement à la consultation publique que vous allez faire, vous dites, une fois qu'il va y avoir la présentation, nous donner aux citoyens qui sont concernés par ce projet-là du parc Baldwin, nous donner deux semaines pour nous consulter puis tout ça. Comme il n'y a pas de péril en la demeure pour que la piscine soit construite à très court terme, je pense que vous pouvez réaliser qu'on est tous des gens qui ont des horaires différents puis tout ça. Puis nous donner deux semaines, je pensais plus vous donner bonne conscience que de nous donner vraiment une bonne chance de préparer un projet pour participer à la conversation pour améliorer ça. Est-ce qu'on peut vous demander d'avoir une période beaucoup plus raisonnable pour qu'on puisse consulter en bonne et due forme pour arriver avec des solutions puis des propositions qui vont faire en sorte qu'on va contribuer en tant que citoyen à ce projet-là pour qu'en bout de ligne, bien, son acceptabilité sociale soit plus grande? Puis je pense qu'on pourrait parler certainement d'un 3 mois, ça ne serait pas trop demandé. Je ne pense pas que vous avez fait ce projet-là en 2 semaines, vous non plus. Mm-hmm. Écoutez, on va faire la séance publique d'information le 25 septembre et on a annoncé qu'il allait avoir 2 semaines pour émettre des commentaires. La piscine, elle est fermée depuis vraiment trop longtemps. Les gens nous demandent constamment quand est-ce qu'elle va ouvrir. Ils ne sont pas ici ce soir parce qu'ils ont confiance en notre engagement qu'on va la réaliser, la piscine, le plus vite possible. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Le jour où on va annoncer publiquement « Ah, on ne fera pas la piscine, on repart en étude pour probablement 2-3 ans », il va y avoir d'autres personnes dans la salle qui vont être présentes aussi. Donc, on verra qui sera là le 25. Je serais curieux de voir ça aussi. Puis, on ne parlera pas du théâtre de verdure qui a duré quand même 10 ans puis qu'il y a bien des gens qui sont pleins puis ça n'a pas bougé pendant très longtemps. Il est fait. Il est magnifique. On a eu une programmation culturelle exceptionnelle cet été. On est vraiment fiers d'avoir fait un bon projet. Caserne 26 prend du temps aussi, mais il est en train de se finir puis on va le finaliser. Ça va être un lieu culturel qui va profiter à toute la population du plateau ouest. Prochaine question. Ça mettrait fin à l'inscription, en fait, des personnes sur place. Donc, j'ai quand même mentionné d'entrée de jeu qu'on pouvait être accommodant parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard parce qu'ils se sont présentés à l'autre lieu, au lieu prévu initialement. Donc, j'inviterais les personnes. En fait, là, on n'a pas d'ordre, hein, c'est ça que... Donc, peut-être les personnes qui veulent se manifester, surtout si vous voulez parler d'un sujet qui n'a pas été abordé, je pense qu'il faut aussi prioriser ces questions-là. Donc, je vous invite à aller au micro, un à la fois. Là. Il ne reste pas tant de monde dans la salle. Allez-y. Bonsoir. Je m'appelle Patrick Zalewski. J'habite dans le quartier l'Est de Lorimier, au nord de Parc La Fontaine. Récemment, avec mes voisins, on a subi encore une série de travaux, cette fois-ci sur la rue de Bordeaux. Et puis, quelques réflexions par rapport à ça. Malheureusement, ces travaux sont menés dans une façon dont, classique dans ces quartiers et puis aussi à Montréal. On peut peut-être grouper certains phénomènes. Mais premièrement, j'aurais dit, insouciance et une compétence d'entrepreneur. Par exemple, dans ces cas-là, une coupure de l'eau, pas planifiée, dans plein soirée de la semaine, laissant les gens sans l'eau pendant plusieurs heures, à cause d'apparemment une faute des contracteurs. Les plaques de métal laissées le soir, la nuit, pour protéger les excavations, les plaques de métal installées mal, ça veut dire à chaque passage de voiture, chaque passage de piéton, faisant un rebondissement de métal sur le béton, réveillant tout le monde autour.
machine de l'asphaltage livrait à minuit. Pourquoi il n'y a pas de meilleur moment pour le faire? Donc, ce serait la première chose. Et mauvaise qualité et destruction de tout ce qui se passe, tout ce qui est autour. Ça veut dire là, tout ce qui est fait, ça n'a souvent aucun sens. J'ai ici une petite photo. Ça représente une valve pour la maison, pour l'entrée de l'eau dans la maison, installée au bord des trottoirs. Ça veut dire aller à moitié sur la rue et moitié sur les trottoirs. Ben, l'hiver, une machine qui va déneiger va arracher la valve, ça va faire une explosion de l'eau. Il y aura encore une urgence, encore des machines, encore une coupure de l'eau, etc. Ça ne cesse pas. La qualité de ces travaux est épouvantable. Ces gens ne savent pas poser ni ciment, ni asphalte. C'est une incompétence. Et puis la qualité de certaines finitions est, je dirais, troisième monde au moins. Je me demande aussi au niveau de l'aider de toutes ces choses qui sont faites, c'est des ciments crus qui est coulé vraiment dans une façon vraiment laide, qui n'a aucun sens vraiment d'esthétique. Je veux dire, là, dans quel monde on doit vivre, je veux dire, là, c'est vraiment laid. Et à part de ça... Il vous reste 20 secondes. J'ai mis le pont. 22 secondes. Donc, au fond, ma question est telle. Aussi, la chose importante ici, que la ville n'a aucun contrôle sur ces travaux-là. Moi, j'ai appelé plusieurs fois. Une semaine après finition des travaux, un inspecteur m'a appelé pour me poser des questions. Il ne savait même pas que les travaux étaient terminés. Donc, la question est-elle, pourquoi la ville cédait contrôle de tous ces travaux aux entrepreneurs, que les services d'inspection ne fonctionnent simplement pas, que les travaux rendus dans tel état sont acceptés, sont payés? C'est ça la question, s'il vous plaît. OK. Donc, juste pour préciser, c'est un chantier, je pense, pour refaire les entrées d'eau en plomb sur de Bordeaux. Donc, on en fait plein à Montréal parce que maintenant, il y a une nouvelle norme de santé publique qui nous oblige, qui nous amène à vouloir changer toutes les entrées en plomb à Montréal. Donc, des chantiers, il y en a vraiment beaucoup. Et ce sont des chantiers qui sont menés par les services centraux. Hein. C'est pas l'arrondissement qui donne des contrats. Là. C'est des contrats qui sont gérés par les services centraux. Donc, c'est important que nous, on sache les enjeux que vous manifestez pour que nos équipes puissent relancer ceux qui font le service de l'infrastructure et le CIR, en tout cas, on l'appelle le CIR. Là. C'est le service des infrastructures de la ville qui donne les contrats et qui suit. Et quand il y a plusieurs insatisfactions sur un entrepreneur qui sont confirmées par les équipes d'inspection, bien, l'entrepreneur pourrait apparaître sur une liste où il ne peut plus postuler par la suite. Donc, ils ont tout à fait avantage à respecter les bonnes pratiques. Et puis, bon, là, vous nous donnez des exemples quand même assez flagrants qu'il y a des enjeux. Donc, on va vérifier. Je vais demander à ce que nos équipes aillent voir ce qui s'est passé pour qu'on puisse alerter nos collègues de la Ville-Centre. La sous-question serait suivante. Ça veut dire là, moi, malgré, je veux dire, plusieurs appels, je veux dire là, on m'appelle une semaine après la terminaison des travaux. Et l'inspecteur à qui je parle donne l'impression de ne pas savoir de quoi je parle. Et il semble ne pas vraiment être sûr qu'il y a eu des travaux, même dans la rue. Donc, au fond, je veux dire, à part de ce que je fais, ça veut dire appeler toi plusieurs fois, demander un rappel, qu'est-ce que je peux faire autre. Bon, à part des choses que j'ai fait moi-même, ça veut dire que c'est moi qui allais stabiliser les plaques de métal, parce que c'était impossible de dormir la nuit, là, mais bon. Ouais. Donc, vous pouvez venir au conseil d'arrondissement, mais évidemment, on est hors délai. Donc, le plus simple, ce serait... Bon, la requête 3.1, c'est une bonne chose. Puis, si vous n'avez pas la réponse satisfaisante, c'est d'écrire à votre conseiller local ou écrivez-moi mon adresse bureau du maire du plateau Mont-Royal. Nous, on va faire le suivi avec les équipes. Et d'accord. Je veux juste laisser peut-être ces photos à M. le secrétaire pour un bon exemple de la chose. Merci. Oui, non, je l'ai bien vu. Bonsoir.
Ma question va être très, très courte. Je suis résident du plateau Mont-Royal et d'abord, je veux vous remercier pour les mesures d'atténuation de la circulation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait vous le dire, même s'il y a beaucoup de monde ici qui chiale. Je pense qu'il y a eu des très bonnes mesures d'atténuation. Par exemple, on peut penser à la rue Villeneuve, on peut penser à plusieurs dodanes qui ont été placées, des saillies de trottoirs, ça va de mieux en mieux. Il y a tout de même, je vais vous alerter sur la rue de Relais, où il y a particulièrement des accélérations de voitures pour certaines voitures qui vont vers le sud, qui ne prennent pas la rue Saint-Denis et qui décident de prendre Relais. Vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il y a des choix qui sont pris par des automobilistes de prendre un détour, et ce qui fait qu'il y a des grosses accélérations sur la rue de Relais. La rue de Relais, pourtant, un petit peu plus au sud, quand on regarde du côté de Marianne en allant jusqu'à Rachel, il y a des dodanes et il y a des ralentissements qui se font, mais un peu plus au nord, il n'y a pas de saillie de trottoir, il n'y a pas d'odane, il n'y a pas de mesure d'atténuation, ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accélération de la part d'automobilistes, des fois soit qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils vont beaucoup trop vite. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible d'aller de placer des mesures d'atténuation. Alors, vous avez dit que ce n'était pas nécessairement les dodanes. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Oui, non, mais les dodanes en font partie. Mais les dodanes tout seuls, c'est souvent insuffisant. Donc, vous parlez de Relais au nord de Mont-Royal? C'est ça. Donc, ça va jusqu'à Saint-Joseph. Il y a vraiment... Entre Mont-Royal et Saint-Joseph, en fait. C'est ça. OK. Donc, nous, on note ça. Je vous invite tout de même à faire une requête 3-1, parce que ça entre par une autre porte. Oui. Donc, c'est avantageux. Puis si vous avez des voisins qui ont les mêmes préoccupations, vous pouvez aussi les encourager à déposer une requête en leur fournissant votre numéro de requête. Comme ça, ça permet de documenter que c'est pas juste une personne qui voit la situation, il y a plusieurs personnes qui le voient, et ça fait qu'à ce moment-là, on est capable de le traiter aussi. OK, merci. Merci. Peut-être mentionner que des dodanes ont été construits récemment sur Drolet entre Boucher et Laurier, c'était justement une demande citoyenne, donc je vous invite à communiquer avec nous. Je suis Marie et moi sommes vos élus. Donc, il reste le petit bout entre Laurier et Mont-Royal, finalement. C'est du Carmel puis Boucher. Okay. Prochaine. Parfait. Nous sommes rendus à la portion des questions via le formulaire. Nous en avons quelques-unes. Donc, il n'y a personne d'autre en salle qui voulait poser une question. Je veux juste m'en assurer. Ouais. C'est bon, OK. Parfait. Donc, première question de Yoko Yamaya Brown. Pourriez-vous étudier la possibilité de prolonger la saison de tennis extérieur? J'apprécie le privilège d'avoir un si beau terrain de tennis dans mon quartier. Ce serait bien de pouvoir continuer à jouer au tennis au-delà de l'action de grâce et jusqu'à ce qu'il y ait de la neige. Merci d'avance pour votre considération. C'est une fantastique question parce que justement, on l'a étudié cette année et nous allons effectivement prolonger la saison du tennis. Donc habituellement, nos tennis fermaient à l'action de grâce et on a bien constaté qu'effectivement, avec les réchauffements climatiques, il était possible maintenant de jouer au tennis bien plus longtemps. Et donc nos équipes en sport et loisirs seront disponibles pour continuer à ouvrir les tennis et nos équipes des parcs vont le matin passer la souffleuse pour les feuilles et il y aura des râteaux à votre disposition pour balayer les feuilles si jamais d'autres feuilles tomberaient au long de la journée. Donc voilà, on n'a pas encore annoncé officiellement, mais nos tennis seront donc ouverts plus longtemps cette année. Prochaine question de Michel Lamoureux. Pourquoi la signalisation est-elle déficiente dans les rues? Par exemple, des panneaux indicateurs situés au sommet des poteaux d'éclairage ou encore contradictoires, surtout là où il y a des travaux, ce qui nous demande beaucoup d'attention pour ne pas avoir d'accident ou de blesser des piétons ou des cyclistes. Oui, donc votre question est vraiment générale. Je vous invite à identifier des endroits particuliers où vous jugez que la signalisation serait déficiente et à le communiquer en faisant une requête au 311. Et à ce moment-là, nos équipes vont pouvoir analyser la situation là, et voir s'il y a des interventions qui sont nécessaires. Prochaine question de Normand Simoneau. Un important nid de poule sur la rue de Courville entre Fabre et Marquette. Je voulais juste avant à toute chose mentionner que Michel Lamoureux a posé également une deuxième question, mais il n'est pas possible de poser deux questions. Donc, Normand Simoneau, un important nid de poule sur la rue de Courville entre Fabre et Marquette a été rapporté par plusieurs personnes, soit via le 3-1, soit via la Ville de Montréal, entre le 12 et le 27 août 2023. Dans ce dernier cas, la Ville accuse réception en deux jours et deux jours plus tard, le statut de cette demande est travaux terminés et dossier fermé. Le nid de poule est toujours là et aucune action n'a été faite, non pas pour satisfaire le nid de poule, mais pour le combler. Le bureau d'arrondissement
Le bureau du maire, pardon, d'arrondissement a été contacté. Ce bureau a été avisé. Ce bureau a avisé le département de ne pas inscrire fermé car cela pouvait porter à confusion. Le nid de poule est toujours là. Qui dois-je maintenant aviser pour obtenir la résolution de ce problème? Oui, donc merci pour votre question. En fait, vous n'avez pas besoin d'aviser tout le monde et on me dit que nos équipes ont déjà été en contact directement avec vous là, et que le processus est en cours de réalisation. Donc, l'enjeu, c'est que le signalement au 3-1 dit qu'il est fermé parce qu'il y a un mandat qui était donné à nos équipes. Mais là, nos équipes ont pu vous parler. J'ai l'impression que la situation est éclaircie et que le problème est en train d'être résolu. Donc, les trois prochaines questions de Mme Nathalie Chalifour, Mme Danielle Patnaud et Mme Véronique Potvin portent sur le même sujet. Donc, je vais les lire en rafale, si c'est correct pour vous. Le tronçon du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue du Parc et Hutchison, à la limite d'Outremont, ayant besoin d'un aménagement sécuritaire et les installations actuelles étant désuètes et vétustes, quels sont les projets de l'arrondissement quant à ces enjeux d'ordre urbanistique et de sécurité? Donc, la question de Mme Danielle Patnaud, comment améliorer le boulevard Saint-Joseph-Ouest entre Parc et Hutchison et les mettre à niveau des beaux aménagements du reste du plateau d'Outremont? Peut-être que de remplacer le terre-plein en béton fendu par un aménagement fleuri et arboré ou en ajoutant des saillies de trottoirs fleuris pour ralentir la circulation pourrait être une heureuse, sécuritaire et belle solution, sans oublier d'interdire la circulation des poids lourds qui roulent à tombeau vert. Et Mme Véronique Potvin, la Ville prévoit aménager l'intersection de la rue Hutchison à l'angle du boulevard Saint-Joseph-Ouest à la limite d'Outremont. Le passage piétonné, n'est pas sécuritaire et presque inexistant. Tous les jours, des étudiants piétons aînés traversent cette intersection dangereuse. D'ailleurs, déjà quelques accidents sont survenus, dont un père traversant avec son enfant en poussette. La visibilité des automobilistes était cachée par ces 12 cubes de couleurs installés. Cet aménagement s'est avéré pire pour la sécurité du quartier. Des panneaux à rest-stop clignotants, des lignes de peinture jaune seraient appréciées ou autre solution. De plus, à Outremont, un panneau à 30 km/h a été installé après le stop vers l'ouest versus 40 km/h après le stop vers l'est. Cela porte à confusion en tirant un excès de vitesse. Un embellissement paysager serait aussi apprécié pour cette belle jonction qui relie ces deux magnifiques arrondissements. Merci de votre attention. Bonsoir à vous trois. Merci de nous parler de ces enjeux-là. On avait rencontré à l'époque le père du petit garçon qui avait été heurté par un VUS à l'intersection de Hutchison et Saint-Joseph. Et on avait essayé de trouver des solutions temporaires à ce problème-là parce qu'on reconnaît effectivement qu'il y avait des problèmes de visibilité, entre autres, quand vient le temps de traverser l'intersection. Donc, c'est bien important d'avoir ce retour sur cette installation. Vous nous dites que le problème n'est pas réglé. Alors, nous, on a besoin du regard des citoyens et des citoyennes pour nos différents aménagements. Alors, on a eu quand même 2 ans de recul pour voir si les aménagements étaient efficaces ou pas. Donc, merci. On va essayer de voir comment on pourrait bonifier. Pour l'instant, on ne peut pas faire d'aménagement en surface, de refaire la géométrie de la rue parce que pour refaire ces gros travaux-là, il faut... On fait en sorte que les infrastructures souterraines soient refaites en même temps. Et pour l'instant, ces infrastructures souterraines-là sont en bon état. Donc, on doit se rabattre sur des aménagements temporaires. Mais on va essayer de trouver une façon plus efficace pour sécuriser les enjeux. Merci de nous en parler. Merci de le signaler également au 3-1 et de me transférer vos numéros de requête. Et on va regarder là, avec nos équipes comment on pourrait faire pour améliorer la sécurité de cette intersection-là. Merci beaucoup. La prochaine question de Stéphanie Perron. Donc, bonjour, on nous avait promis une brigade de la propreté afin de garder la place propre. On fait ici référence à place Gérald Godin. Cependant, la situation est hors de contrôle. La place est ainsi que les rues avoisinantes telles que Berry et Rivard sont jonchées de déchets de toutes sortes. On dirait un dépotoir et j'ai honte de mon quartier. Comment comptez-vous rectifier la situation à court terme? Merci. Je vais répondre. Donc, nos grandes places publiques sont évidemment très fréquentées. On a des enjeux de s'assurer qu'elles soient maintenues le plus propre possible. Pour Mont-Royal, on a même accès à une équipe externe.
Donc, la meilleure des choses, comme je l'ai dit précédemment pour une autre question, c'est lorsque vous êtes témoin d'une situation qui est problématique, c'est de le signaler au 311, parce que comme ça, nos équipes techniques reçoivent tout de suite les demandes, sont capables de les analyser, et quand il y a plusieurs requêtes, peuvent intervenir. Mais vous avez raison, là, il faut qu'on maintienne la plage Gérald Godin dans le meilleur état possible, et si on doit redoubler d'efforts, on va le faire. Merci de l'avoir signalé. Prochaine question de Claude Galichon. Pour l'hébergement touristique, comment est vérifiée la désignation de résidence principale déclarée par le locataire? Dans un reportage, Radio-Canada soulève le cas d'un autre Airbnb offrant 24 logements avec le même numéro CITQ correspondant à une résidence principale. Ces numéros ne sont pas visibles sur le site de Bonjour Québec. C'est dans une zone où les taxes commerciales devraient être perçues. Au total, depuis le début de l'année, il y a plus de 1300 locations. Le certificat d'enregistrement CITQ n'est pas affiché à la vue au public comme l'exige la loi. Aussi, depuis quelques mois, dans les rues résidentielles, des résidences principales offertes sur Airbnb ont été louées des dizaines de fois chacune. Avec la collaboration du gouvernement et ou des plateformes pour les annonces, quels mécanismes sont en place ou sont prévus pour s'assurer qu'une résidence principale ne soit louée qu'un nombre raisonnable de nuitées par année? Oui, donc merci pour la question. C'est vraiment un enjeu qui nous préoccupe particulièrement. En plus, on est en pleine crise du logement, donc on a sur le plateau plusieurs centaines, peut-être 1000, 2000, peut-être 3000, on ne sait pas exactement, logements qui ne sont pas disponibles pour des Montréalaises ou des Montréalais qui voudraient se loger, alors que c'est vraiment difficile de se loger sur le plateau, mais aussi partout dans les quartiers centraux. Donc, nous, notre objectif, c'est que ces logements-là redeviennent des logements en location à long terme. Maintenant, c'est important de savoir que depuis le 1er septembre, donc il y a quelques jours, la loi provinciale qui a été modifiée est en vigueur et elle impose un fardeau sur les plateformes, comme Airbnb. C'est-à-dire que les plateformes sont maintenant responsables de s'assurer que toutes les annonces affichées sur leur site soient conformes à la loi et à la réglementation municipale, sous peine d'amende jusqu'à 100 000 $ par annonce. Donc là, il y a un petit bout où on a, puis moi je salue vraiment l'intervention de la ministre, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, pour avoir resserré la loi. On sait à qui on a affaire. Hein, ce n'est pas des entreprises qui ont beaucoup de soucis pour le respect de nos lois, de nos réglementations municipales. Ils nous disent presque que ce n'est pas à eux à appliquer ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le défi, c'est l'application. Nous, on a toujours demandé à Québec aussi d'augmenter ses équipes d'inspecteurs pour être sûr qu'on est capable d'appliquer ça. La loi, maintenant, elle a des dents, il faut l'appliquer. Et c'est ça qui va faire, à un moment donné, qu'il y a des décisions qui vont se prendre. La loi, elle donne aussi des amendes aux locataires. Donc, pas seulement à la plateforme, mais aussi aux personnes qui annoncent illégalement des logements touristiques court terme partout au Québec, là, pas juste sur le plateau. Et ces amendes-là peuvent atteindre 50 000 $. Donc, c'est vraiment important. Et le jour où il va commencer à y avoir des amendes puis que ça va être rendu public, il y a des gens qui vont y repenser à deux fois avant de mettre leur logement à louer. Parce que quand les amendes sont très faibles et qu'il y a peu de risques, ben, il y a des gens qui peuvent décider de prendre une chance de l'essayer. Mais là, je pense qu'on a maintenant un cadre juridique qui est beaucoup plus clair, avec des conséquences beaucoup plus importantes. En parallèle, nous, le plateau, on a initié une démarche qu'on travaille avec trois autres arrondissements où on a mis notre propre escouade de lutte à la location touristique illégale, une petite escouade tactique où on tente, nous, de les repérer. On veut aider Revenu Québec à appliquer sa loi. On les repère, on fait nos propres enquêtes et on va donner des amendes. On est très, très limité au niveau municipal. Hein. La première amende, c'est 1 000 $. Donc, au prix que se loue un logement pour une fin de semaine, 1 000 $ d'amende, ce n'est pas très dissuasif, mais 1 000 $ d'amende avec un dossier officiel de la Ville de Montréal transmis à Revenu Québec, ça commence à être plus sérieux. Donc, on est vraiment, vraiment engagé à mettre fin à ce fléau et on va faire tout ce qu'on peut pour que ça arrête. Et si vous faites de la location touristique, c'est-à-dire des appartements, là, qui sont dédiés à la location touristique
partout sur le plateau, sauf sur Saint-Denis ou sur Saint-Laurent, c'est illégal. Donc, si c'est chez vous, puis pendant vos vacances, vous voulez louer votre appartement, vous avez le droit, mais il faut vous enregistrer, avoir un numéro auprès de la CETQ et venir ici à l'arrondissement pour qu'on vous autorise. On vous donne un certificat d'autorisation. Vous ne pouvez pas le faire juste comme ça. Il faut faire une démarche. Et si votre appartement sert juste à des touristes, vous n'avez pas le droit. Et faites attention parce qu'on vous a à l'œil. Prochaine question de Mme Christine Gribben. Ayant complété toutes les étapes administratives possibles pour venir au bout du problème de bruit causé par les installations de Bixi sous ma fenêtre au 115 rue Villeneuve, compte tenu que ces installations soient toujours en place en date du 4 septembre 2023, malgré une demande de votre direction du développement du territoire des études techniques de les retirer, comment le conseil d'arrondissement du plateau Montréal peut intervenir pour clore cette affaire qui dure depuis des années et qui affecte directement et sans équivoque ma qualité de vie au point de ne plus dormir et de jouir pleinement d'un appartement dont je suis propriétaire depuis plus de 30 ans? Juste un moment, j'ai eu un moment de... Peut-être que je peux répondre. Donc, dans un quartier dense comme le plateau Mont-Royal, c'est sûr que les stations Bixi, à un moment donné, se retrouvent devant des logements résidentiels où il y a des gens qui habitent. Là. C'est inévitable. Le Bixi est hyper populaire sur le plateau. On est allé faire une visite récemment avec Marie Plourde et Alex Norris. Je pense que c'est 30% des utilisations de Bixi là, donc qui partent du plateau ou qui ont le plateau comme destination. Donc, c'est vraiment un service qui est très, très utilisé. Quand il y a des situations ou problématiques qui font trop de bruit pour le voisinage, on essaie de voir, nous, nos équipes là, avec Bixi, on essaie de voir est-ce qu'il y a un site alternatif où on pourrait déplacer la station à proximité et que ça ne dérangerait personne. On fait toujours ça quand il y a des signalements. Parfois, ce n'est pas possible parce qu'il y a juste des logements autour. Puis il faut s'assurer que les stations sont réparties un peu partout sur le territoire. Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas exactement quelle est votre situation particulière, mais si la station n'est pas déplacée, c'est possiblement qu'il n'y a pas d'alternative. Et les nouvelles stations Bixi, ben, ils nous ont montré ça aussi, parce que là, on est en train de les remplacer, les stations. Elles ont atteint un peu leur durée de vie. Les nouvelles ont un mécanisme qui est moins bruyant. Donc, petit à petit, ça va être mieux aussi pour tout le monde avec les nouvelles stations. Et on peut leur demander de remplacer les vôtres, ceux pour lesquels il y a des plaintes en priorité là, par les systèmes qui sont beaucoup moins bruyants. Voilà. Parfait. Alors, prochaine question de Robin Boisvert. Bonjour. Le parc des Compagnons de Saint-Laurent a été fermé deux étés pour des réaménagements. Il a été annoncé en 2021 que la corbeille de collecte sélective présente avant serait remise à la réouverture. Pardon. Vous dites être en attente de nouveaux mobiliers. Ça fait plus d'un an que le parc est réouvert. Vous semblez être contre la collecte sélective dans les parcs. Ça fait partie des services publics en 2023, pas juste des poubelles. Non, on ne retourne pas toujours chez soi après des pique-niques pour traîner son recyclage. Les poubelles des parcs débordent de matières recyclables. Les dépotoirs débordent et agrandissent. Même dans les villages qu'on a visités au pays, il y a du recyclage et compost dans les parcs. Pourquoi n'avez-vous pas remis le mobilier d'avant en attendant le nouveau? Pourquoi le plateau n'arrive pas à faire la collecte sélective dans les parcs en 2023 exactement? Oui, merci pour votre question. En fait, au Parc des Compagnons de Saint-Laurent, cet été, il y a eu l'essai là, d'un mobilier, d'une collecte donc à quatre voies, où c'était possible d'avoir les matières compostables. Mais ça n'a pas été concluant, là, malgré le fait que sur le mobilier, c'était assez clairement expliqué ce que c'était. Puis comment bien faire le tri, il y a beaucoup de contamination. Les gens ne lisent pas, ne prennent pas le temps et donc vont contaminer le compost avec du plastique, vont contaminer le recyclage avec des restants de poutine ou des caca de chien. Donc, c'est très difficile dans un arrondissement aussi dense, avec autant de monde, avec autant une affluence de touristique, en plus de toute de la grande densité de résidents, d'arriver à avoir des collectes qui fonctionnent. C'est pas parce qu'on veut pas. Donc, on apprend là, de ce projet-là. On est en train de travailler avec le service de l'environnement
à la ville pour avoir une station qui fonctionnerait, qui nous permettrait de ne pas leurrer les résidents puis de se retrouver à envoyer aux poubelles le sac de recyclage parce qu'il est contaminé par des choses qui ne se recyclent pas et qui ne se lavent pas. On ne lâche pas, on continue. Vous faites bien de nous talonner. C'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal, la situation, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Parfait. La prochaine question de Robin Saint-Amand. Pardon. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de faire respecter l'espace accordé aux cyclistes sur la rue Saint-Hubert sous le viaduc des Carrières. En heure de pointe, il est fréquent d'observer des automobilistes dépasser les autres par la droite dans la zone assurée ainsi que par la piste cyclable, ce qui est évidemment très préoccupant pour la sécurité des usagers de cette dernière. Est-il possible d'ajouter une séparation physique telle que des bollards ou murets de béton ou alors augmenter la présence policière lors des périodes de congestion? Merci de prendre en considération ma demande. Merci, M. Saint-Amand. En fait, c'est toujours possible d'améliorer la protection des pistes cyclables, surtout dans un endroit comme ça où il n'y a pas de stationnement. Je vous avoue que c'est la première fois là, que quelqu'un porte à notre attention, à mon attention, cet enjeu-là spécifique. C'est quand même intense, dépasser par la droite dans une piste cyclable, mais il n'y a plus grand-chose qui nous surprend. Donc, le service des études techniques a pris bonne note de votre requête, de votre question, et on va analyser là, ce qu'on peut faire peut-être en collaboration avec l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, voir si, on ne sait jamais, là, tous les passages inférieurs sont partagés entre les arrondissements. Là, j'imagine qu'il y a une bonne partie qui est de notre côté, et on va essayer de trouver une solution à ce problème-là. Merci. Prochaine question de Martine Michaud. En juin, je suis venu au conseil pour demander que la ville répartisse équitablement les services pour personnes en situation d'itinérance entre les arrondissements. Pour le centre-ville ou Milton Park, cela permet de limiter la concentration de proxénètes et de revendeurs de drogue dans le quartier où vivent les familles et personnes âgées. J'ai été contente d'apprendre par les élus du plateau que la ville de Montréal cherche désormais à répartir les refuges dans la ville de Montréal. Or, Mme Valérie Plante ne semble pas avoir eu le mémo, car il est annoncé dans les médias que les personnes en situation d'itinérance de Guy Favreau seront relocalisées à proximité du quartier chinois. On se demande donc qui croire et qui dit vrai. Question dans Milton Park. Nous donnons déjà à la cause depuis 5 ans avec Open Door. Monsieur le maire Rabouin, nous promettez-vous que le refuge de remplacement de Guy Favreau ne sera pas dans Milton Park ni à proximité du parc Devonshire ou du jardin Notman? Donc, merci, Mme Michaud, pour votre question. En fait, on a eu l'occasion de discuter au cours des dernières années, vraiment, à quelques reprises. Et là, quand même, on a un phénomène, et on le voit dans toutes les municipalités au Québec, parce que là, maintenant, il y a plein de petites municipalités qui sont confrontées à cette situation-là. Il y a une rencontre là, de l'Union des municipalités sur la question de l'itinérance, là, parce que c'est un enjeu maintenant. On a vraiment une crise sociale majeure en ce moment parce qu'on a les personnes en situation d'itinérance, certaines de ces personnes-là ont des problèmes de santé mentale, pas toutes, une partie. Et on a aussi le phénomène des toutes sortes de drogues liquides, cheap, avec on ne sait pas c'est quoi, la crise des opioïdes. On a pas mal d'enjeux en ce moment et on a des gens qui se retrouvent à la rue, laissés à eux-mêmes dans une situation d'extrême vulnérabilité. Et ça a un impact, évidemment, là où elles se retrouvent, ça a un impact sur les autres personnes qui habitent autour, qui sont confrontées à autant de détresse. Donc, c'est une nouvelle réalité là, qui est vraiment très importante. La mairesse de Montréal a dit que le complexe Guy Favreau, qui doit être fermé, c'est une décision qui a été prise par le fédéral de refaire son bâtiment et que le service sera relocalisé dans le secteur parce qu'il faut aussi avoir des ressources là où sont les personnes. Hein, parce qu'on veut les rejoindre, on veut les aider. Et il n'est pas question que cette ressource-là soit ni dans Milton Park, ni dans le secteur Devonshire autour de l'Hôtel Dieu, ni dans le plateau. Ça ne fait pas partie des options possibles. Donc, je pense que ça devrait répondre à votre question. Et oui, je l'ai déjà dit, je pense, en conseil d'arrondissement, parce que ça a été rapporté par un journaliste, ça doit être vrai, qu'on cherche à avoir
Ce qu'on voit dans le plateau, là, on a plusieurs ressources pour les personnes vulnérables. On en a plein. Les gens ne les voient pas parce qu'elles sont à petite échelle. Elles sont à échelle humaine, bien intégrées dans leur milieu. C'est ça qu'on a besoin. Et pour la dignité des personnes qui ont besoin d'aide et pour l'environnement immédiat. C'est ça qu'on cherche à faire. Nous, en tout cas, au plateau, c'est ce qu'on propose. On ne veut pas déplacer les personnes, on veut les aider et on veut s'assurer qu'on a des ressources. Et on est d'accord que la pression ou la capacité d'accueil, disons, du secteur autour de l'Hôtel-Dieu et de Milton Park est largement atteinte. Donc, on ne veut pas ajouter, bien sûr, de nouvelles ressources dans ces secteurs-là. Parfait. Donc, prochaine question de Mme Tania Tremblay. En sachant que les virages automobiles sont responsables d'un grand pourcentage de blessures graves et de décès de piétons et de cyclistes, que vous avez été alerté à maintes reprises depuis plus d'un an, pétition, lettre adressée à Mme Plante, Mme Giguère et M. Rabouin, et requête logée au 3-1 de la dangerosité des virages automobiles autorisés pendant la traverse des écoliers par le feu de circulation situé à l'intersection Follum-Rachel, qui se trouve au centre du corridor scolaire de deux bâtiments de l'école Saint-Louis de Gonzague. Serait-il possible d'agir avant qu'une collision annoncée advienne en accélérant la mise à niveau de feu de circulation Rachel Follum et d'assurer d'ici sa mise en place la sécurité des enfants par un brigadier du SPVM? Merci beaucoup, Mme Tremblay, pour cette question, pour cette relance. Bien sûr, on s'est déjà parlé, on a échangé des courriels, on s'est rencontrés au coin de la rue. J'avais constaté avec vous, effectivement, qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas optimal, la gestion de ce feu-là. Deux choses. Ben, depuis, il y a des ajustements qui ont été faits. Effectivement, là, pas à la hauteur de ce que vous demandiez, mais il y a des flèches tout droit qui empêchent les voitures de tourner, qui durent assez longtemps pour que les piétons, les cyclistes s'engagent et qu'ils soient donc mieux vus par les gens qui prennent le virage. C'est sûr qu'il y a énormément de circulation dans ce coin-là. En ce moment, bon, avec le tunnel et tout ça, il y a beaucoup de voitures. Donc, je comprends ce que c'est pas à votre satisfaction. Tous les feux le long de la piste Rachel sont en train d'être revus. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une prévisibilité, d'avoir un fonctionnement des cycles qui soit semblable selon la nature de l'intersection. Et c'est ce qu'on nous répond donc du côté du central. Comme je vous expliquais, tous les feux de circulation, c'est analysé, géré et modifié par une seule équipe qui est à la direction de la mobilité à la Ville-Centre. C'est vraiment une spécialité assez pointue. Et ils ont dit, ben tant qu'à y aller à la pièce, parce qu'il y a plusieurs autres intersections qui ont des enjeux le long de tout le long de Rachel à cause de la présence de la piste bidirectionnelle de plusieurs écoles. Ils sont donc en train de revoir tout ça pour avoir une espèce de, c'est ça, une constance. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus long. Ils sont surchargés de travail, là, vous vous en doutez bien, on leur demande beaucoup. Mais quand ça va être implanté, il va y avoir une logique et il va y avoir une sécurité accrue. Donc, réponse mi-figue, mi-raisin, il y a des améliorations qui ont été faites depuis notre première rencontre. Mais avant d'ajouter, par exemple, un feu vélo comme il y a sur des érables, ce que vous demandiez, bien, on va se demander est-ce qu'il est pertinent. On sait maintenant qu'il l'est à certaines intersections, mais pas à toutes nécessairement selon les débits. Donc, c'est le genre de choses qui doit être analysé. Voilà, merci. La prochaine question de M. Ghislain Biron a déjà été en fait posée. En fait, c'est un sujet qui a déjà été posé à trois reprises durant le conseil. Donc, je propose de passer à la prochaine question, ainsi que les questions de M. Patrick Tremblay et Alexandre Boissonneau portent sur le même sujet. Donc, je les lirai en rafale. Donc, la question de Patrick Tremblay. Bonjour. J'aimerais connaître les intentions de l'arrondissement et l'état des études des projets concernant l'apaisement de la circulation du plateau S, plus particulièrement sur la rue Follum. Serons-nous informés des détails du projet et des démarches entreprises prochainement? Des dodanes sont censés être ajoutés sur la rue cette année, entre Mont-Royal et Marianne, mais je n'ai trouvé aucune information sur la date des travaux. Merci beaucoup.
Également, est-ce que des aménagements sont possibles à court terme pour améliorer la circularité des cyclistes sur la rue Follum entre Laurier et Sherbrooke? Oui, merci pour votre question. Alors, on a répondu un peu plus tôt, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, qu'en effet, les dodanes sont planifiées, donc on les construit toujours à la fin de l'été, en automne, les contrats sont donnés. C'est toujours une tâche qui vient à la fin de la belle saison. Donc, entre Marianne et Mont-Royal, il va y avoir des dodanes. On est en train aussi de planifier un meilleur aménagement cyclable sur Follum. Vous savez qu'au sud de Sherbrooke, dans l'arrondissement de Ville-Marie, il y a eu une mise à sens unique et l'aménagement de meilleures pistes bandes cyclables de chaque côté. Je ne dis pas qu'on va faire exactement la même chose, mais c'est certain qu'on souhaite que cet axe nord-sud-là, dans l'est de l'arrondissement, un axe cyclable soit créé et amélioré. C'est vraiment en cours d'analyse. C'est sûr qu'on est un peu contraint par la présence du gros garage de la STM là, au nord de Mont-Royal qui génère beaucoup de circulation d'autobus. On ne veut pas nuire non plus aux autobus qui vont là se faire entretenir, réparer. On en a besoin, donc ça, il faut en tenir compte. Mais on a vraiment la volonté là, d'apaiser la circulation sur Follum et d'ajouter un meilleur aménagement cyclable. En attendant, bon, le marquage en ce moment, c'est surtout des chevrons. On peut vérifier là, s'ils ont été faits ou oubliés là, pour m'améliorer en attendant la visibilité des cyclistes sur Follum. Voilà. C'est ce qui met fin à la période des questions des membres des citoyens. Donc... C'est une bonne première. Hein, pour... Je veux juste prendre quelques secondes pour vraiment... Il fait chaud dans cette salle, là, malgré qu'on soit à l'arrondissement. Je veux souligner le travail de l'équipe de traduction en langage des signes qui est là depuis le début de la soirée et qui continue malgré la chaleur. Merci beaucoup pour votre travail. Donc... À l'article 10.05, période des questions des membres du Conseil. À l'article 20.01, octroi d'une contribution financière de 25 000 $ toute taxe applicable à la Société de développement commercial Pignon rue Saint-Denis pour les aider à défrayer les coûts de la mise en œuvre d'interventions de verdissement et d'embellissement de la rue Saint-Denis et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 20.02, octroi d'une contribution financière de 20 000 $ toute taxe applicable à la Société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal pour les aider à défrayer les coûts de déploiement de la transition écologique dans le cadre du volet artère commerciale durable et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 20.03 octroie d'une contribution financière de 15 000 $ toute taxe applicable à l'Association des commerçants de l'avenue du Lutte pour la conception et la construction de mobilier urbain réutilisable pour le marché de Noël sur l'avenue du Lutte dans le cadre du volet artère commerciale durable et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 20.04 octroie d'une contribution financière de 15 000 $ toute taxe applicable à la Société de développement commercial de l'avenue Laurier-Ouest pour le projet de mural de grande visibilité au 270 avenue Laurier-Ouest et pour l'aménagement paysager afin de contrer le vandalisme dans le cadre du volet artère commercial durable et approbation du projet de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. À l'article 20.05, octroi d'une contribution financière de 5 000 $ toute taxe applicable à l'organisme Arpan pour l'organisation d'une journée participative citoyenne dans le cadre de l'aménagement de la rue École Paul-Bruchesi et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. À l'article 20.06, octroi d'une contribution financière de 2 500 $ taxes incluses, à l'Association des gens d'affaires du Mainland pour l'embauche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice pour la poursuite des activités de mobilisation dans le quartier Mainland. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. À l'article 20.07, octroi d'une contribution financière de 500 $ taxes incluses à l'organisme Cultiver Montréal pour l'organisation d'une tournée des projets en agriculture urbaine dans les jardins collectifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 30.01, état de l'évolution budgétaire de l'arrondissement au 30 juin 2023. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée.
Adopté. À l'article 30.02, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 juin et du 1er au 31 juillet. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 40.01, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 40.02, ordonnance en vertu de l'article 629.4.1 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exemptant le propriétaire des bâtiments situés au 4449 à 4479 rue de Relais de l'obligation de fournir 6 unités de stationnement pour vélos et contribution au fonds de compensation de 9 270 $. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.03, ordonnance établissant l'inversion du sens de la circulation de la rue Basset. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.04, ordonnance permettant aux véhicules de transport adaptés de la STM de circuler en direction nord en période hivernale à une vitesse de 20 km/h sur le tronçon de la rue Rivard piétonnisée, situé entre les rues des utilités publiques, entre la rue pardon, des utilités publiques et l'avenue du Mont-Royal. Je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.05, ordonnance déterminant la fermeture de la circulation véhiculaire de la rue Latreille du côté est de l'intersection de l'avenue Papineau. Je propose, appuyé par Marie-Anne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.06, adoption du règlement sur les usages conditionnels de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.07, adoption du règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, exercice financier 2023, et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.08, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets, particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la construction d'un immeuble de 4 étages comprenant 29 logements et un commerce de coin situé au 4801 rue Saint-Denis. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.09, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'occupation du rez-de-chaussée à des fins commerciales au 780 rue Guilford. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.10, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser certains usages commerciaux supplémentaires et une plus grande superficie de plancher dans l'immeuble situé au 3535 avenue Papineau. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. À l'article 41, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'occupation du rez-de-chaussée à des fins résidentielles ainsi qu'un agrandissement arrière du bâtiment situé au 3804 rue Saint-Denis. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 42, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un immeuble résidentiel de 3 étages avec sous-sol et mezzanine, comprenant 3 logements situés au 4256-4260 avenue Papineau. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 43, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un immeuble mixte de 3 étages avec sol, édicule d'escalier et terrasse au toit, comprenant 10 logements et un commerce au rez-de-chaussée situé au 3620 rue Saint-Denis. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. Article 50.01, autorisation du transfert de 8 postes vacants col bleu au service du matériel roulant et des ateliers afin de réduire le plancher d'emploi de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et autorisation du transfert d'une compensation financière de 23 485 $ pour l'année 2023 et 71 900 pour l'année 2024. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 51.01, approbation de 5 renouvellements de mandat au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 60.01, approbation et dépôt de la liste des projets à inscrire sur le bulletin de vote citoyen dans le cadre de la seconde édition du budget participatif de Montréal. Je propose, appuyé par Marie-Anne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Parfait. Donc, les articles 61.01 à 61.04 sont des dépôts que je vais faire en rafale. Donc, dépôt de la réponse à la demande de pétition à l'égard de la rue Guilford,
dépôt de la réponse à la demande de pétition à l'égard de la piscine Baldwin, dépôt de la motion soulignant le travail exceptionnel de l'équipe de sauvetage de la piscine Laurier, ainsi que dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenues le 30 mai, 21 juin et 18 juillet 2023, donc ce qui nous amène au dernier article 70.01, levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Alex Norris, de lever la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 septembre 2023. Il est 22h12. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci, Simon. Bravo, Simon. Ouais.